Et je crois que c'est à moi. J'étais super prêt. Euh, ouais, j'étais super prêt. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à la fin de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça C'est pas du ça va Pas le rideau cache un peu tintin Ah, c'est mieux. Ah, comment ça va vous euh, Heureux de vous retrouver en ce mardi matin. On lâche pas l'affaire, hein. On... La semaine dernière, du lundi au vendredi, double stream tous les matins. Le matin, l'actualité, le matin, les journaux, le matin, la revue de presse, et le soir, du gaming. Voilà. Et on ne lâche pas. Hein euh, hier, double stream. Ce mardi, double stream. Demain matin, je suis en tournage, par contre, pour France Télévisions. Et donc, il n'y aura que du stream le soir. Voilà. Un seul stream par jour. Et puis, jeudi matin, on reprend. Double stream. Ah, et vendredi, ben, je pars... À... Vendredi matin, il y aura du stream de la matinée étienne. Et vendredi soir. Rien. Samedi matin, rien. Samedi soir, rien. Dimanche soir, ça me plaît Non, pas ça me plaît. What Lundi matin, rien. Non. Vendredi, samedi, dimanche et lundi matin, je suis en Espagne. Espagna. Voilà. Euh, pour euh, le VCT, hein, cette grande compétition euh, Valo, euh, valorante, voilà, euh, malgré l'absence d'équipe française puisque euh, la CACORP, euh, a été éliminée euh, hier. Quoi. Donc, euh, je m'en excuse par avance, mais euh, c'est pour euh, de bonnes raisons. Je vais m'absenter quelques jours en fin de semaine et euh, je pourrais stream ton périple espagnol. Non, ce euh, c'est pas possible en fait. Pas possible. J'y ai pensé, mais c'est pas possible euh, pour des raisons. Euh euh, qui. Oh, oh, comment dire C'est quoi, quoi la, la formule consacrée euh, Pour des raisons euh, indépendantes de ma volonté. Voilà. Et en revanche, je vais vous faire une jolie petite vidéo euh, avec Joe. Enfin, euh, un truc. Euh, pas, pas, un, pas, pas un truc de 5 minutes, quoi. Une vraie bonne grosse vidéo. Euh, pas logistique, euh, Pork Venox Non, ça c'est autre chose. Pour des raisons indépendantes de ma volonté. Euh, la logistique, on sait faire. Et donc il y aura une jolie vidéo d'au moins une demi-heure quoi. C'est un peu ce qui est prévu. Un petit reportage qu'on vous postera sur YouTube au plus tôt de la semaine suivante. Voilà. Donc voilà. Beaucoup de streams en ce début de semaine, un tout petit peu moins en fin de semaine. j'en suis désolé. Et puis ça me plaît qu'il sera reporté d'une semaine. Qu'on retrouvera le dimanche. La découverte de l'ESport par Samuel Etienne, ça va être fun à regarder. 1 et 1 j'espère en tout cas. Sigurbjorn merci beaucoup pour le 11 11e mois d'abonnement. Je désépingle le message que j'ai épinglé. J'aime bien. Épinglez vos petits messages du matin. Euh, Nuno124, merci beaucoup pour le 7e mois. qui répond. pour le 29e mois. Vlachande pour le 11e mois, vous, vous régalez. Lucky pour le Prime, ce sont les subs de la nuit. Elijah Champion, euh, cassé chaussettes de Wish, ça c'était les abonnements euh, hier soir, les derniers. Euh, alors Nico Prati5, je pense que tu n'es pas venu depuis un petit moment sur la chaîne. Euh, C'est pour ça que tu n'as pas l'info. Si tu as point d'exclamation, hebdo, H-E-B-D-O, tu as euh, la réponse. À ta question, euh, j'y vais, vais en tant que journaliste, j'y vais en tant que créateur de contenu, j'y vais en tant que streamer, j'y vais en tant que gamer, j'y vais en tant que Samuel Etienne, j'y vais, vais en tant que, 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 que gars qui est curieux et qui, qui, qui aime bien découvrir de nouvelles choses. Euh, c'est comme un médicament, me oh, <laughs> dit Andbi, mon médecin m'a prescrit un live de Samuel matin et soir pendant plusieurs semaines. <laughs> c'est trop gentil. Euh, moi c'est Julien, merci pour l'abonnement, faire à la commune, tu régales, je louche. Euh, je ne sais pas s'il si est là ce matin. Euh, je pense qu'il sera plutôt. Le... Il est là. Euh, je voudrais accueillir les amis un nouveau modérateur euh, sur cette chaîne. Vous savez que régulièrement, euh, avec beaucoup de, de gentillesse, certains viewers, viewers proposent de devenir modérateur. C'est une façon euh, très importante de soutenir la chaîne. On a une magnifique équipe de, de modos, voilà, euh, avec une magnifique ambiance dans le petit fil. De discussions créées, euh, sur lesquelles on échange quasi quotidiennement. Euh, et euh, Sugar, SugarFrog/Anthony euh, nous rejoint depuis hier soir. Merci d'être là ce matin. Euh, je sais que tu seras plutôt là le soir, surtout pour le gaming. Euh, D'ailleurs, on a joué ensemble <laughs> hier soir. Mais merci beaucoup de nous rejoindre. Et je sais que toute l'équipe va t'accueillir euh, les bras ouverts. Original Pimous, merci. LMG7F, merci. Brobro06, merci. Julio18, merci. Anonyme31, merci. Et la Midnightbot, bien sûr. Euh, merci Anthony de nous rejoindre euh, je vous lis un petit peu parce que c'est mon bonheur et puis on part pour une revue de presse intense rythmée puisqu'à 11h30 je dois vous laisser dans deux heures parce que j'ai euh, pas moins de quatre rendez-vous de boulot bam juste après 11h 11h30 11h30 11h45 euh, réunion Teams euh, midi 30 ou 13h vous dire Moi, c'est à l'ancienne, c'est sur mon agenda. J'aime bien les agendas papier comme ça, tu gardes... Tu peux, tu peux, tu peux revenir sur tes années après. Euh, alors, attends, je vous dis, c'est fou, quoi. OK, 11h45, 11h30, 11h45, Teams. 13h, euh, call. Euh, 13h30, euh, Teams. 14h, call. Voilà. Donc, quatre gros rendez-vous de taf. Tout est lié à Twitch. Voilà. Ça, ça prend vachement de temps. Hein. Par contre, euh, tout ce qu'il y a à côté, en fait, euh, des lives, quoi, pour préparer ce qui vient. Donc quatre rendez-vous. Tu manges à quelle heure bah, du coup, euh, Assassin's Creed. Euh, et ben bah, c'est pas prévu, prévu, prévu. Après petite sieste, euh, puisque la nuit a été courte. Un peu de sport en fin de journée. Euh, et puis et puis une soirée gaming. Quel gaming Quel gaming Suspense, suspense. On va peut-être peut changer un petit peu ce soir. Peut-être peut 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 faire autre chose. Euh, guitariste, ouf, merci. Très joli pseudo. Ça aurait été mon rêve ça, de savoir jouer de la guitare. Euh, mais je trouve que c'est très très dur comme, comme apprentissage. Bravo. Euh, merci pour le deuxième mois d'abonnement. Mikaz, merci pour le prix. Euh, tu fais du sport de quoi je, je cours essentiellement. Je suis un coureur. Je cours depuis, depuis longtemps. Et voilà, beaucoup de courses à pied, un peu de triathlon à une époque aussi. Mais voilà. Salut Toshikro, merci beaucoup pour le soutien. Ah, je vous lis un petit peu. Tu as une armoire à agenda du tu... ouais. J'ai une armoire à agenda, ouais. Ah, <laughs> vous faites rire, je me fais ah, rire. J'aime vous lire, ça me met tellement en bonne humeur. C'est drôle d'ailleurs. Merci pour l'accueil que vous avez réservé à Anthony, c'est gentil. Marathon de 7 avril, marathon de 7 avril, ouais. On a le marathon de Paris de 7 avril qu'on streamera, bien sûr. Ça s'appelle la foulée Étienne et on sera en stream pour toute la durée du marathon de Paris. Euh, ce sera un peu foufou, sachant que je n'ai plus du tout le niveau marathon. On va se régaler, notamment sur les 10 derniers kilomètres où vous allez me voir littéralement euh, pleurer. Je n'ai pas encore vu la vidéo sur le Lord de Valorant au Coco, mais j'ai bien prévu de la regarder et de la regarder euh, avec vous. On voit la fin de Détroit Become Human, me dit Alexandre. Et pourquoi pas Et pourquoi pas ce soir Bon, vous, ça va sinon Bien sûr, Spécial dédicace à Eric, le maître de stage en biologie de vinsky 21 À l'instant, Eric, elle est pour vous, elle est pour toi. Chouquette fragile, voilà, voilà, voilà. Parfois, il y a des pseudos qui vraiment. Mais ça, c'est beau, ça. Voilà, Chouquette fragile, ça, c'est beau. Merci beaucoup pour le soutien de non, je pas que mon micro soit trop faible, Non, c'est bon. Il est au bon niveau. Merci, Jouquette Fragile. Oh, Est-ce qu'on pouvait la force à Yali 607 Je suis malade et je regarde tes lives en vomissement. Oh. Quel sas, Le Maire Le dernier sas, le plus lent, le dernier, pour deux raisons. D'abord, parce que je suis pas du tout au top. L'objectif, ça va être vraiment de finir. Deux, parce que pour des raisons de connexion. On sera entouré de littéralement 40 000 personnes, 50 000 personnes, 50 000 potentiels téléphones qui, la, qui prennent de la connexion, la connexion dont on a tant besoin avec Joe pour assurer le live. Ok, il y a moi, c'est Julien, Job Joule, pour les intimes qui viennent l'offrir, lâcher 10 abonnements à la communauté. Julien, tu régales, merci beaucoup. Euh, tu mérites ton statut de VIP. Et, euh, et donc, en fait, en partant tout à la fin du marathon, dans le dernier SAS, et même à la fin du sas, si vous voyez ce que je veux dire. Ben en fait, c'est mécanique, c'est mathématique. Vous avez deux fois moins de téléphones parce que vous n'avez pas euh, 20 000 téléphones derrière vous ou 20 000 téléphones de, de, devant vous. Euh, vous n'avez que les téléphones devant vous. Vous n'avez plus ceux derrière. On a expérimenté ça pour le semi-marathon de Paris, ce que ça nous a évité le petit cut qu'on a eu pour le 10 km des Champs-Élysées. Donc je pars dans le dernier sas et l'autre truc sympa, c'est que de toute façon, vu mon niveau actuellement, c'est cool de partir dans le dernier sas. Ça me permet de plutôt de remonter les gens plutôt que de me faire doubler pendant euh, 4 heures ou 5 heures. <laughs> on verra. Ça, c'est beau. Wannir qui nous dit Bonjour Sam, on direct des toilettes de travail pour regarder le sommaire de ton live. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. La passion pour la formation hein, qui vous prend euh, dans tous les lieux possibles et imaginables. Ça, c'est la passion de l'actu, ça. Ça, c'est beau, ça. Et Joe à vélo, toujours, bien sûr. Euh, alors, certains regardent depuis les toilettes, certains depuis le travail, comme Moonlight Fox. Je regarde ton stream pour me motiver. Quand je suis au travail, c'est cool, merci à toi. Euh, mis à part le début, j'ai raté une grosse partie de ton stream hier soir, je me suis endormi, je n'arrive pas à te suivre matin et soirée, de louf. Moi non plus, j'ai du mal, tu sais. Moi non plus, j'ai lancé tard, j'ai lancé à 22h30 hier soir parce que beaucoup de boulot, les fameux dossiers dont je vous parlais, et puis euh, la famille, les enfants, dont j'ai lancé très très tard, genre 22h30. Voilà. C'est vrai que c'était super tard. Je te regarde juste avant d'aller à la fac, tu nous régales, merci. Euh, Cox, oh, vous êtes trop chou. What? <laughs> Navi Bama, euh, Samuel, on vient de faire un exposé sur toi dans mon lycée. Tu vois le truc normal, quoi. Le truc. Voilà, ce matin, c'est exposé sur Samuel Etienne. <laughs> merci, c'est gentil. J'sais pas sûr que je vais être un exposé, mais c'est chou. Lemmings, bonjour Samuel, il ne me reste plus que 30 minutes, sinon j'aurai plus assez de gigales pour le reste de la semaine. Je pense qu'on va se pencher sur cet, cet inflow. Oui, Ronnie Fleur de Paix, euh, le marathon de Paris sera mon 24e marathon et le marathon des Jeux sera le 25e exactement. Tu as le bon compte et les bons comptes font les bons amis. Merci Sanjo pour le message. Force à, à Axel qui est, qui, qui, qui est sur le point d'aller réviser ses partiels. Et elle est partielle du côté de d'Elérat aussi. Dans les bouchons pour aller au taf, Freddy. on voit de la force aussi. Bon petit neige, les Télétravail pour Isukeel. Euh, ça bosse, ça, ça bosse, ça, ça bosse, hein. Bravo, hein. Il mon café Je pas beaucoup dormi encore, ça. C'est fou, ces soirées de, de valo, là, toutes les nuits. Ouais, 24e marathon en 2024, tout était écrit. Ouais, C'est beau, hein. Ça m'a motivé, ça a motivé. Mais va... En vrai, je vais avoir besoin de vous hein, pour le marathon de Paris parce que ça, ça a été ma passion. Mais en termes de volume d'entraînement, je suis très loin de ce que je faisais à une époque. Donc jusqu'au semi, ça va le faire. À partir du 30e kilomètre, ça va être très, très, très dur. Voilà. Euh, et ça va vraiment jouer au moral. Euh, les, jambes, les jambes vont vraiment être un peu euh, limitées. Quoi. Donc je compte sur vous dans le chat. Euh, C'est dans 15 jours, hein, ouais. Dans 15 jours pour me soutenir, là, ça va être chaud, 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 chaud. Bon, et nous, on lancer cette Ouais, j'adore mon skin fantôme. Euh, tu seras pas là dans 15 jours, MMG 7F, tu seras pas là dans 15 jours pour me soutenir dans le marathon de Dieu, MMG, qu'est-ce que tu fous, quoi. MMG, tu seras pas là pour me soutenir dans 15 jours au marathon de Paris, alors que, je vais en... alors que vraiment, littéralement, je vais mourir, quoi. Ah, C'est chaud. Euh, je stream dans un petit studio, les yeux, à côté de chez moi. Petit, un petit studio que je depuis le mois d'avril, parce que vraiment tout le matos, tout ça prenait vraiment trop de place à la maison. Voilà. On a trois décors de stream maintenant ici euh, pour les différents trucs et, et, et puis voilà, pour Joe, c'était un enfer de devoir monter, démonter tout à chaque fois pour les streams importants. Donc euh, voilà, on, on loue un petit un petit local. Bon, on va faire un petit euh, un petit euh, un petit sommaire pour ceux qui n'ont pas deux heures à nous consacrer ce matin pour voir l'essentiel de L'actualité, mais j'aime bien apprendre de vos nouvelles aussi. Entre la télé et la chaîne Twitch et ta vie de nos lives sur Valorant, comment trouves-tu le temps de t'entraîner pour un marathon Demande Val. Eh bien, justement, je n'ai pas le temps. C'est ça le problème. C'est bien ça. C'est que un, un, une course à pied, c'est un marathon, c'est à la portée de tout le monde, je le répète. N'importe quelle personne en bonne santé peut faire un marathon, mais easy, quoi. À condition de faire le volume d'entraînement euh, nécessaire pour faire un marathon. c'est vraiment pas compliqué, quoi. À condition que tu n'aies pas de pépins physiques particuliers, quoi. À condition de faire le volume d'entraînement. Je le fais plus le volume d'entraînement. Je le fais plus. Je le fais plus par manque de temps. C'est ça qui va être intéressant. Mathieu 95 Bonjour Samuel. N'oublie pas de graisser la pousse, la poussette de stream. Ça peut éviter les couinements. C'est moi qui couine. C'est pas la poussette. Les coui 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 pendant mes streams là. Vous entendez coui coui coui. C'est pas c'est pas la poussette. C'est moi. C'est moi qui queen, c'est l'âge. Hmm. Faut pas fumer, Diesel. Bah, tu, tu penses que je fume? Bah, tu, c est, c est, c est... En général, les coureurs à pied, ils fument pas les masses. Hein. Vous avez quel âge j'ai 13 ans, Sanjo. J'ai 13 ans et demi. Voilà, voilà c'est les genou qui queen, la tiens exactement. Et, et la hanche aussi, Kiné. Et aussi la hanche. Ouais. Tu es fou, en fait. On l'est tous, Bosmu. On l'est tous un petit peu, quoi. Merci, Rixal. Et, et, oui. ah, vous connaissez la chanson, d'ailleurs, à ce propos euh, Merci, Rixal, pour euh, le septième mois d'abonnement. Alors, il faut vraiment être vieux pour avoir la ref. Ça donne... Euh, je suis Rixal et je le reste Dans la tête et dans le geste <laughs> Je suis... Barzotti, Claude Barzotti, vous êtes trop jeune, vous ne pouvez pas, pas comprendre. Mais ça a été important à une époque. Ah, original Pimous, tu as la ref. Je suis avec ça, les jeunes reste. le restent. Jeu de... La musique italienne. Ah, vous avez la ref. Mais vous êtes vieux, j'adore. Euh, bass Bilbo, merci pour les beats. Le reste. Tain, 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 tain. je suis yeuf me dit MMG c'est la rêve c'est drôle vous faites plus vieux que 12 ans et demi me dit Sanjo ou 13 ans et demi je sais plus je sais jamais quel âge précis j'ai eh oui bah oui j'ai un, bah, un peu je tryhard trop la vie donc euh, voilà ça, je marque un peu je marque un peu mais, hmm. hop là attendez je fais un petit truc un petit truc euh, pour une amie. Hop. Ta ta ta. Alexandra, je follow ta chaîne, c'est fait. Et je follow ta chaîne Twitch. Allez. Pé à son dame Claude Barzotti. Ah, il est. Il est. Ok, d'accord. Ok. Y a Filmo qui dit vous marquez la vie Samuel mais elle ne vous marque pas oh là là attendez je vais épingler ce message ah, voilà oh, 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 oh. Mais on y va Étienne l'actu c'est parti regardez-moi ça vous marquez la vie mais elle ne vous marque pas pop, 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 pop. les amis les choses sérieuses c'est parti let's go merci d'être là vous êtes formidable la matinée Étienne tous les matins on lit les journaux la presse nationale quotidienne celle que j'aime c'est là où j'aime bien m'informer c'est de partager ce plaisir avec vous. Je lis tous les matins Le Monde, euh, le Parisien, Libération, euh, la Croix, l'Humanité, l'Opinion, les Échos, euh, l'Équipe, euh, le Figaro, je l'ai peut-être oublié. Et, euh, et, voilà. et puis j'essaie d'en tirer la substantifique moelle, les informations dont on n'a pas parlé les jours précédents, pour, un, vous tenir au courant, et deux, vous trouver les, 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 les infos euh, les, les meilleures possibles. Euh, merci Wazilax pour le Prime à l'instant. Basile Beau, merci pour les beats. Et on commence par un sommaire, comme ça, que ceux qui n'ont pas deux heures à nous consacrer ce matin, vous avez quand même l'essentiel de euh, l'actualité. Let's go. Qu'est-ce qu'on a ce matin euh, dans, la, dans la presse D'abord, on va parler du Proche-Orient, voilà. de, de la guerre, Voilà, euh, de ce qui se passe entre Israël et la bande de Gaza. Vous avez été quelques-uns à me signaler depuis euh, quelques jours qu'on parlait moins au quotidien euh, du Proche-Orient sur cette chaîne, et pour cause. Euh, il y a moins d'articles hein, dans la presse. voilà, La presse écrite, qui euh, pourtant se penche sur euh, la situation depuis les attentats du, du Hamas euh, quotidiennement. Voilà, et, et là, force est de constater que le conflit durant, eh bien, euh, il se passe ce qui se passe. Toujours avec un, un conflit ou une crise, eh bien, euh, il y a moins d'articles. Les choses s'installent dans une forme de routine, moins d'articles, parce que aussi les, les gens commencent à se désintéresser. Les, quand je dis les gens, ce pas forcément les. Que les journalistes, mais aussi les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs, en disant Ah là là, ça, ça se poursuit. Donc, moi, une de mes missions, c'est de chercher euh, les, euh, les, les infos, quand même, sur ce sujet, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier ce qui se passe là-bas. Et j'ai trouvé une pleine page dans le Parisien aujourd'hui, qui est très bien faite sur ce qui se passe à Rafah, et sur cette menace d'une offensive terrestre de masse euh, de l'armée israélienne contre Rafah, là où sont réfugiés l'essentiel. Des, euh, des Palestiniens euh, de Gaza. voilà. Donc là, il y, y a la crainte d'un nouveau, très lourd bilan euh, humain. On se penchera sur la situation. Euh, page 6 dans Le Parisien, l'article a le mérite de bien résumer de là où on en est aujourd'hui, notamment avec, sur les négociations d'un éventuel cessez-le-feu, mais on est très, très loin. Euh, ça, ça me touche. C'est quelque chose de très, très touchant. Euh, C'est tous les ans, la croix... Euh, s'associe à une association qui s'appelle Les Morts de la Rue. Les Morts de la Rue, c'est une association qui, tous les ans, essaye de recenser tous les morts de la rue, les morts dans la rue, hein, les sans domicile fixe qui meurent dans la rue en France. C'est un travail de collecte pour rendre hommage, en fait, à, euh, à, à, ces, à ces personnes qui sont, qui sont mortes euh, dans la rue, Voilà pour euh, leur donner une identité. Voilà. Trouver un, un nom quand c'est possible, un prénom euh, quand c'est possible, euh, un âge quand c'est possible, un surnom quand c'est possible. Et parfois, euh, on ne trouve pas d'infos et c'est juste une personne anonyme qui est morte là, euh, sur le trottoir. Donc c'est quelque chose de, de grave, d'éminemment de, 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 triste, mais que je trouve important. Il s'agit de rendre une dignité en fait, à ceux qui ont été euh, laissés sur le bas-côté, oubliés par la société. Voilà, jusqu'au bout, jusque dans leur dernier moment. Voilà. Euh, la Croix et donc le collectif Les Morts de la Rue rendent hommage à 656 personnes sans domicile décédées depuis début 2023. C'est un bilan qui ne se veut pas exhaustif. L'association essaie de, de, de collecter les noms de tous ceux qui sont morts. 656 personnes, c'est un minimum. Hein. Il y en a sans doute plus. Quoi. Euh, Dignité, c'est le titre de l'édito d'Isabelle de, de Golemine dans La Croix, il s'agit de rendre la, la, leur dignité à ces personnes. Et Libé va, euh, la Croix pardon, va au bout de la démarche puisque Libé publie les noms de ces 656 personnes. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Voilà. Avec parfois un prénom et un nom, parfois juste un nom. Parfois juste un prénom, parfois juste un surnom, parfois rien. Quand on n'a pas trouvé l'identité, malgré les recherches de l'association. Voilà. C'est un truc très émouvant et qui euh, nous parle aussi de la société dans laquelle on vit. Euh, voilà. Euh, qui, euh, qui fait que. Ça, voilà, ça été, il y a encore des gens qui, qui meurent comme ça euh, dans la rue. Euh, des gens très jeunes. La moyenne d'âge, elle est très très jeune, vous verrez. Euh, il y a très très peu de personnes au-delà de 60 ans. Et parfois, vous avez des. Des, des ados, des, des jeunes, jeunes hommes, jeunes femmes. On verra. Voilà, c'est assez, assez dur. Euh, je vous parlais de ça ce matin parce que ça me semble important. Euh, c'est la une de la Croix. Je vous parlerai de la une de Libération euh, aussi. Météo France complètement à l'ouest. Qu'est-ce qui se passe Alors moi je sais que depuis quelques années c'est compliqué. Euh, Météo France, il y a eu des suppressions de moyens, des suppressions de, de postes. Euh, et pour connaître un ami coureur d'ailleurs, euh, coureur à pied, qui bosse à Météo France. Euh, je sais depuis des années que euh, ça, se, ça se dégrade. Euh, et c'est et, et pas fini. Euh, depuis la mise en place d'un logiciel d'automatisation qui s'appelle Alpha, pour pallier justement la réduction euh, des effectifs, l'Institut multiplie les prévisions incohérentes, exaspérées. Les salariés prendront part ce mardi à la grève de la fonction publique. Les utilisateurs se plaignent. Euh, les clients de Météo France, notamment les collectivités locales, se, se plaignent. Une météo précise, c'est extrêmement important ne serait-ce que pour la sécurité des personnes, et il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux euh, économiques euh, également. Et les salariés se plaignent aussi énormément, donc on va faire un petit point sur ce qui se passe à Météo France, euh, Météo France qui s'enfonce dans le brouillard titre ce matin, euh, Libé, et une ambiance de travail qui est vraiment très compliquée, regardez. Un météorologue qui déclare, je n'ai jamais vu autant de collègues au bout du euh, euh, rouleau, quand le travail devient une peine, ça aussi, ça ne va pas. Hum... Souvent, quand je parle du, du, de, 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 du secteur agricole et notamment du secteur de, de, des, des éleveurs et, et de la production de lait, vous êtes quelques-uns qui me dirais, Lactalis, euh, pas terrible cette boîte, il se passe des choses un peu chelou. » euh, Lactalis, un système vache. Bon, Libération, euh, c'est un peu les rois du titre. Euh, en pleine crise des agriculteurs, le numéro un mondial du lait, parce que le, le français Lactalis est le numéro un mondial du lait, euh, a été ciblé par des manifestations qui dénoncent ses prix d'achat trop bas Gourmand d'acquisition, enclin au silence, c'est un groupe qui communique très peu. Le groupe fait également l'objet d'enquêtes pour des pratiques anticoncurrentielles et d'évasion fiscale. En gros, un groupe qui est accusé de ne pas acheter le lait assez cher aux agriculteurs, un groupe euh, qui, qui fait d'énormes bénéfices, dont le patron euh, est richissime, c'est une des plus grosses fortunes euh, de France, euh, un groupe qui fait l'objet d'enquêtes pour. Euh, euh, des pratiques anticoncurrentielles et euh, d'évasion fiscale. Waouh! L'actalis, <laughs> la, bonne la, la bonne collection, quoi. Euh. Oh. oh, mon pauvre Gogonquet. ok, force à toi. CocoBB76, merci beaucoup pour le 16e mois. Merci Eukic pour le 2e mois. Merci Wazilax pour le 3e mois. Voilà. Donc, on se penchera sur l'actalis. Euh. Hop, gros dossier dans Libération matin. Euh, alors ça, ça m'a surpris parce qu'un papier dans le Parisien sur euh, la question de mobilité m'intéresse beaucoup, c'est comment on va bouger demain, comment on va se déplacer, comment on va se déplacer de, de façon à respecter mieux la planète et, et l'environnement notamment. Voilà, euh, euh, et, et la question du transport routier, on parle beaucoup des voitures, mais aussi les camions. Euh, Est-ce que les camions demain seront électriques bon, Il y a encore peu de temps. Dans les, la plupart des papiers que je lisais sur le sujet, c'était en mode Ben bah non, euh, c'est compliqué vu euh, les kilomètres que doivent faire ces, ces camions, la question des batteries, euh, c'est chaud quoi. Et ce, la, la piste sera plutôt l'hydrogène. bah là, j'ai un article ce matin qui me dit Ben bah non, en fait, l'hydrogène, euh, euh, les filières concernées trouvent que c'est le truc qui est un peu en retard, c'est pas prêt. Et donc, ça va être de l'électrique pour les camions. Alors, ça, c'est intéressant. Les, les camions aussi veulent carburer à électrique. Comme la voiture, le poids lourd devra tôt ou tard dire adieu au monde thermique. Voilà, ce sera une obligation. Hein. Une association met en avant ce que la filière pourrait apporter à euh, l'environnement. On se penchera euh, là-dessus. 20 km d'autonomie de camion, tient peut-être pas, mais euh, on, on se pose quand même la question. Euh, et puis, encore une, une intéressante, la une du Parisien. Il y a trop de sucre dans notre alimentation. Ça ne va pas du tout. Euh, il se cache ce sucre euh, de façon un petit peu euh, perfide. Dans tous euh, les produits transformés, hein, ceux qu'on qu qu ne cuisine pas, ceux qu'on qu achète tout près. Euh, enquête inédite, par son ampleur, qui pointe cette dérive néfaste pour la santé. Que le sucre ne soit pas bon pour la santé, vous, vous le savez, mais cette enquête nous montre que voilà, le sucre est malicieux à mille exactement, que le sucre est très présent, euh, notamment en France, à l'achat, euh, dans les produits de consommation courante, les produits transformés. Et alors, la grande surprise que moi j'ai appris, c'est qu'il y a énormément de sucre dans les produits salés. Wow! Gorgée de café, là. J'ai besoin d'une gorgée de café, là. Pour répéter cette phrase que, totalement surréaliste. Il y a énormément de sucre dans les produits salés. Il y a du sucre partout. Il y a dans les pizzas, il y a du sucre dans les, les, sauces, les sauces pour les pâtes, là. Est, pff, non, il n'est pas sucré, mon café. C'est black. Euh, dans, les, dans les chips, dans les biscuits apéritifs, c'est gavé de sucre. Voilà. Euh, c'est incroyable. Donc, on va se prendre. Euh, voilà. C'est un des combats de gastronomie qui me dit euh, Seb Franqui. Le sucre, c'est pire que le sel. Voilà. Alors les aliments très salés, comme les produits apéritifs, c'est double penta. Sucre et sel. Bim Voilà. Et c'est pas très très bon pour la santé. quoi. On se penchera sur les risques. Les risques pour la santé. Santé voilà. Bon, ça va. Les, 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 alors les, je les ai vus, les jeux de mots sur éviter tout ce qui est poudre blanche et tout. Est ça. Magnifique. Vous êtes très en forme. Et puis petit horoscope parce que je vous aime et on fera le petit jeu de l'horoscope qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Ça n'a pas de sens, mais ça nous fait rire. Il n'est pas bon au sommeil. Je consomme beaucoup de sucre, alors je n'en mets pas dans mon café, mais j'adore les gâteaux. Je suis un mangeur de gâteaux. Et si je fais du sport, c'est d'abord pour manger des gâteaux. Voilà, les gâteaux, c'est la vie. Et je, et mon amoureuse a un peu déteint sur moi les Il paraît que les gens qui s'aiment très fort déteignent un peu l'un sur l'autre. Et euh, mon amoureuse adore manger des bonbons à ribot. J'ai le truc dégueulasse. Et du coup, bah, comme comme je l'aime euh, mon amoureuse et ben du coup j'en mange aussi voilà. donc notamment quand je joue du gaming euh, quand je joue le soir j'ai toujours un petit paquet de crocodiles à côté de, de moi mais, non l'horoscope c'est tout à l'heure' vous G a raison vous euh, MdR tu bois du coca le matin ça non genre Jean, Jean ça m'est arrivé de finir un fond de coca mais là ce matin j'ai pas bu de coca j'ai bu que du café noir ouais, et du pain du pain et du fromage euh, ma femme enceinte aime les haribots à cause de moi et m'a réclamé des paquets ce week-end Ayas ah, Femmes enceintes, euh, elle demande elles demandent ce qu'elles veulent et il faut leur donner. Hein? Voilà. Et d'ailleurs, les, les femmes aussi, et tout. Quoi. Euh, donc, ton amoureuse bientôt sur Valo. Alors, peut-être qu'un jour. Hélène, elle est un peu gameuse en vrai. Hein? Le vendredi soir, c'est soirée gaming à la maison. Hein? Ça, joue, euh, ça joue à Mario Kart avec les enfants, ça joue à, à, quoi? à Pokémon, tout ça. Hein? Ouais. Euh, si tu devais garder une seule chose à manger sur une île déserte, tu prendrais quoi Bah, si j'étais un peu malin, je prendrais un truc avec des vitamines pour éviter le scorbut, tout ça. quoi. Mais c'est une seule chose. Une seule chose, tu vas mourir, hein, parce que tu vas être carencé très vite. quoi. Pas terrible. Je sais pas, je dirais des chocs à pic. C'est bien le chocs à Du beurre salé, disait The Pro. J'aime bien le fromage, en vrai. Mais bon, t'imagines, c'est au bout d'un mois que du fromage tous les jours. Oh, de Dieu mm. Du quignamane, ok, d'accord. Du quignamane tous les jours pendant. T'imagines? À la fin, pour faire le tour de l'île, tu roules, tu roules, tu roules sur toi même. Ouais. Du comté. Alors je vous vois là. Comté, pommes de terre, des croquettes pour chat. <laughs> Remarque oui, il y a tout là dedans. Euh, Choucroute, sucre, des golden, <laughs> des golden grams, des pâtes au pesto. Des compotes, all dead, côté de Sarah. De la raclette. <laughs> imagines le mec qui mange de la raclette matin, midi et soir. Quoi. Oh nous de Dieu. Des pims à la poire. Pop, pop, pop. Dis oui, tu, viens, tu vas sur un terrain glissant. Une poule vivante, il hein ah, Pour les œufs. Malin. Des rognons sauce madère Pour le champ, à mon avis, au bout de quelques jours, tu n'en pourras plus de tes rognons. Hein. Oh, c'est trop mignon. Euh, Anthony Pic nous, nous écrit dans le chat Ma fille de 10 ans vient de me dire un bateau pour partir de là. C'est mignon. Alors, après, ça répond pas à tout à fait à la question. C'était euh, une seule chose à manger. Mais c'est malin. Bravo à mademoiselle. Bravo. Un PC où jouer à Valo. Non, mais Nicotine Love. On a dit un truc à manger. Alors, je sais que certains mangent des cartes graphiques ici, mais quand même. Ça y est, il a la team, team Pimps qui s'est réveillée. J'en étais sûr. Étais sûr. Merci euh, Aramis Touquet euh, pour ta réaction à ce qu'on appelle désormais l'affaire Chocapic. Mon chat, mais Morglas, arrêtez. Un truc a bouffer. Morglas, tu n'as pas bouffé ton chat. On ne mange pas. Laissez les chats tranquilles. Laissez les chats en dehors de cette histoire. Vous êtes fous, quoi. Mmh. Navibama, Samuel, on est à 18 sur 20 sur l'exposé. Ouais. L'exposé sur Samuel de 18 sur 20. Il y a un sondage sur les PIMS. Ah, ça va, vous lâchez les modos. Putain, les modos, ils ont lancé, ils ont, ils ont lancé un sondage. Euh, les PIMS, c'est oui, oh my god, 57%. Non, c'est hérétique, 44%. Il y a un débat de fou dans le chat. Ok. Ok, voilà la chaîne, quoi. Et ce matin, sur la chaîne de Samuel Etienne, le gars qui fait de l'info, il dit, sur quoi Le Proche-Orient, l'Ukraine, euh, la santé mentale. Non, on a fait un sondage sur les PIMS, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Ah ok, Navi Mama, avec, euh, avec euh, ses collègues de, de, du lycée peut-être, euh, ou du collège, euh, faisait un exposé sur Twitch ce matin et on a cliqué sur ton live. Alors ok, alors si, attendez, s'il y a des élèves et des enseignants qui sont sur ce live, je vais commencer à parler bien, parce que vous savez que je... un je dis beaucoup de bêtises et, et je jure beaucoup sur Twitch. Liberté de parole, d'expression totale ici. Donc euh, là, par contre, il va que je m'applique quoi Donc euh, je vais... Euh, à partir de maintenant, je vais utiliser un langage extrêmement châtié, bordel de merde. Voilà. Hein? Je pense qu'à un moment, il faut aussi faire attention à la langue. C'est important. Euh, une, une langue, ça se respecte, ça se cajole, nom bon de Dieu. Voilà. Il faut arrêter de jurer sans arrêt, de dire merde, crotte, euh, zizi, prôte, tout ça. Non Ici, on ne fait pas ça. Ici, on a un certain respect pour la langue française et on n'est pas à dire des dingueries. Euh, voilà, des, voilà. préféré pour Xenox euh... je sais pas trop tête de ta gueule tête de ta gueule mmh. bordel, bordel de cul j'aime bien aussi mmh. bon euh, bon alors une pensée pour les enseignants euh, et les élèves qui sont sur la chaîne ce matin est-ce qu'on y va bande de belles personnes euh, est ce que tu vas te lever après le stream me lever de ma chaise ou sans doute. Il y a des enfants qui regardent, oh ça va Alors, Mes enfants à moi, ils regardent mes streams parfois et ils se sont rendus compte que je jurais beaucoup. Oh, ça les fait rire, ça les fait rire, ça les fait rire. Et du coup, eh bien, depuis, depuis quelques jours, ils ont repéré ça et du coup, ils savent que les gros mots sont interdits, mais comme je l'ai dit moi, comme je l'ai dit moi, ben, je ne peux plus rien dire. Voilà. Et, euh, et ils arrivent avec leurs petits yeux brillants là. Hein, voilà, et il dit euh, Papa, hier soir, t'as dit m -E r d e Et ça rigole. Et les petits yeux qui rigolent. Et ils se regardent tous les deux I -I -I m u -E r d e voilà. Hier, papa, t'as dit euh, dans ton stream, euh, etc. Voilà. Et, -ce que... et je ne peux rien dire. Et, je ne... et, et mon épouse me regarde en mode Putain, oh merde. Okay, j'ai encore juré. Et, euh, et voilà, je peux rien faire. Je suis, je suis coincé, je suis coincé, je suis coincé. Mmh. Ne devenez pas streamer hein, pour la santé de vos enfants, hein, pour euh, la qualité de leur expression, quoi. De... Quelqu'un m'a dit, tu as vu le tweet d'Amine C'est une dinguerie qu'il a annoncé là. Je viens de voir ça là. Attends, Amine, c'est quoi ce truc de Kings World Cup Vous êtes au courant ou pas Mais c'est quoi ce truc Mais le gars est fou. Est que est... On regarde Mais c'est un. Inc... Mais je suis au courant de rien moi. Ah, c'est le truc dont vous m'avez parlé avec Piqué hier. C'est un tweet qui a été posté hier. Soir à 8h21. Kings World Cup, Coupe du Monde, 7v7, 32 équipes au Mexique. Notre but, être sur le toit du monde. Soyez prêts, le casting de la Coupe va être monstrueux. À partir du 26 mai sur ma chaîne. Mais c'est énorme. Mais avec, avec Neymar, mais c'est quoi ce truc congratulations. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, your country. Attends, mais Neymar, pourquoi il est là déjà And you will have to choose the best coach and the best 12 players to win the competition. Du coup, là, si je comprends Joder, bien... puta madre. You will compete against the best teams in the world. Tu Attends, mais je, je, je vais devoir jouer au football. Tu n'as pas the talent. Ah, ok. T'es éclaté. Ok. Juste le président. C'est pour ça que Neymar est là? Exactly. Il will have une autre team. Are you afraid? Non. Non. Neymar, Brésil, machin chouette. On bat les couilles. <laughs> Tout ça, là, ça va, ça va se passer où? En Mexico. En Mexico. Tu vas rester? Si, si. C'est qu'il est là. Bon. Okay. Euh... Let's do something. Ouais. I'll come to your place and we do a stream where I answer all the questions with your people. Deal. Done. On serre la pince. Je vais l'étendre ta coupe du monde. Allez. À distance. Oh, super. Hey. Attrape. On se voit bientôt. C'est son. C'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, mais c'est quoi ce truc Mais c'est fou, mais. Mais internet, mais les créateurs de contenu, mais les streamers sont en train de manger le monde, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Quel poulet Nous dit 444. Lunaire que ça existe. J'ai rien compris, c'est qui ces gens Arrête, enfin, c'est fou. On vit dans un univers parallèle, nous dit Diesel, mais bien sûr. Mais c'est fou. Un million de cash price pour le vainqueur, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est fou ça. Incroyable. Mais c'est fou. Hâte de savoir qui seront nos sept joueurs, bah oui. Donc Amine va constituer une équipe, du coup. Mais du coup, il va recruter des joueurs de foot, Amine, c'est ça? Pas des créateurs de contenu. On est d'accord, c'est un peu ça l'idée, hein C'est incroyable. cette scène est folle, cette scène est folle. Cette scène est folle. Hein? Dans ses abonnés, dans ses abonnés, pas le droit au pro que les amateurs, qui va jouer alors, alors Que les amateurs, pas de pro. OK, la seule condition, pas de joueurs sous contrat. Donc ça peut être des anciens joueurs de haut niveau. Oh, Zizou Ah mais c'est sûr. Mais il y aura Zizou. Mais c'est sûr. Sous contrat. Zizou, Ben Arfa, Pogba. Euh, Arfa, euh, je ne suis pas un grand spécialiste de foot. Hein. Après il faut, faut, faut le gérer quand même hein. enfin, bon. Incroyable. Samuel était en défenseur, comment te dire, comment te dire au niveau du foot. Euh, à l'école, je faisais partie du gars qui était choisi en dernier, tu sais, dans l'équipe là. Incroyable. Samuel, tu seras au but. Non, 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 pas bah non, faut pas, faut pas. Ah, je me suis fait les croiser, exactement. ouais. Mmh. Incroyable, incroyable. Bon, bah, c'est fou. Ok, Internet, c'est devenu une dinguerie. C'est devenu une dinguerie. Comment veux-tu que la télé suive Je veux dire, c'est. Ça devient fou, ça devient fou. Comme dit Captain Note, je pense que je suis trop vieux pour ces conneries. Euh, bon, allez, on y va. Mais ça, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Euh, Est-ce qu'on a un petit peu de temps pour faire un détour par. Euh, 10 heures, euh... Peut-être, il y a peut-être un truc que je veux aller voir quand même avant de, de, de commencer les articles. Pastradant, merci beaucoup pour euh, ce troisième mois et pour le, le petit message. Shalala, merci beaucoup pour le cinquième mois. Santé, mais pas les pieds, merci pour le vingtième mois d'abonnement. t -Bay, merci beaucoup pour le trente-et-unième mois d'abonnement. J'ai plus la musique du café, j'ai changé de, de console de mixage, mais je vais te la retrouver. Euh, PB 76 merci pour le 16e mois. yokick merci pour le deuxième mois. Vasilax, merci pour le troisième mois. Et on y va. Oui, il y a un truc qui n'est pas dans les journaux ce matin et je trouve ça bizarre. Et du coup, on va aller le chercher. C'est ce qu'a déclaré Najat Valo Belkacem à propos de l'Internet. Voilà. Euh, je suis très surpris parce qu'il y a eu beaucoup de réactions euh, hop, euh, sur les réseaux sociaux et je suis surpris de ne pas voir d'articles, en tout cas dans la presse, print. Le Figaro a fait un article dessus, me dit euh, Mister Svenja. Oui, mais pas dans le Figaro écrit, dans le print, celui que je télécharge. Voilà. En revanche, euh, effectivement, euh, voilà, vous avez des, plein d'articles. Voilà. Un article de, sur Franceinfo.fr euh, qui a été posté il y a 15 minutes. Euh, Qu'est-ce qui se passe On, euh, Je suis un peu surpris de cette histoire. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les faits Najat Vallaud-Belkacem, euh, donc c'est une, une socialiste, hein, ancienne ministre de l'Éducation quand même, euh, propose de rationner Internet, de rationner Internet en limitant le nombre de gigas utilisés quotidiennement. Ok, tous les streamers en, en sueur euh, et les viewers aussi. L'ancienne ministre de l'Éducation nationale estime que réduire notre exposition aux écrans serait bénéfique à bien des niveaux. Qu Qu'est-ce tu... que tu racontes Et le truc là, alors, et comment on va le regarder Notamment pour lutter contre la discrimination, le harcèlement, le réchauffement climatique Mais Najat J'ai un problème. Vous avez un problème, nous avons un problème. Euh, S'emporte l'ancien ministre dans une tribune publiée lundi dans le Figaro. Je ne l'ai pas vu cette, cette tribune. Bon. Euh... L'ancienne ministre de l'éducation appelle à repenser nos rapports aux écrans et plus concrètement à Internet. Elle propose que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner, rationner Internet. Par exemple, en, en accordant un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement. Mais comment je stream, moi Comment je stream Najat, bordel Il ne s'agit pas pour moi de lancer euh, une énième plainte au relan rétrograde, euh, euh, mais elle se demande si nous avons besoin de tant d'Internet que cela. Ben oui, je te dirais quand même. Elle estime que réduire notre exposition aux écrans serait bénéfique à bien des niveaux en termes de développement cognitif, pour la santé, mais aussi pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, le réchauffement climatique. Rationner la tête ne fera pas disparaître tous ces problèmes, ouais, tu m'étonnes, mais la rareté oblige à une certaine sagesse. Quoi? Peut-être cesserons-nous de considérer comme normal de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra-HD, mais qui regarde des heures de vidéos pornographiques tous les jours moi, je regarde du Valorant, tu ne regardes pas du. Tu ne peux pas. La secrétaire d'État chargée du numérique. Alors, du côté du gouvernement, on critique. La secrétaire d'État chargée du numérique, donc dans le gouvernement actuel, a critiqué la proposition et voyant probablement la pire manière d'aborder le débat sur nos rapports aux écrans. Traiter les risques mérite tellement mieux qu'une approche manichéenne et hors sol de l'espace numérique dont les usages sont aussi nombreux que les usagers. Mais qu'est-ce que. Écoutez. Moi, j'ai interviewé, je vous le disais hier à plusieurs reprises, Najat Valo Belkacem, ces dernières années, surtout quand j'étais spécialiste d'info et de politique, et je suis très surpris que l'ancienne ministre de l'Éducation fasse cette sortie. -ce essayons de la défendre, parce que je vois beaucoup de réactions dans le chat de, 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 en mode qu'est-ce qu'elle raconte Il euh, bon, y a plein d'articles Le Point, le Figaro, BFM, Ouest France. Euh, voilà. euh, alors, je vois plein de réactions négatives. Essayons de comprendre. Essayons de, de comprendre sa logique. Est-ce que ça a du sens euh... euh, Défécateur, se limiter à 3 gigas par semaine, oui, on va y arriver, mais 3 gigas, non. Euh, on ne peut pas défendre ça, Samuel, me dit Dragon Wild. Euh, vous savez, moi, j'aime bien essayer de mettre de la place des gens, euh, y compris ceux qui ne pensent pas comme moi. Euh, non, c'est indéfendable, elle vit sur notre planète, me dit Ed Falm. Euh, 3 gigas par semaine, c'est une heure de visionnage Twitch, ça va être compliqué pour moi, alors. Euh, elle a rien compris Internet, me dit Raven. Euh, il faut arrêter de vouloir prendre la, les gens par la main à chaque occasion, me dit Trium. 100% elle cherche le buzz. En plus, c'est pas trop son truc de chercher le buzz à Najat Belkacem, -Bel -Bel quoi. Elle a plutôt un parcours, euh, justement, pas trop là-dessus, quoi. Elle ouvre le débat, Ticlem. Je pose la question. J'ouvre le débat. Diminuer les écrans, oui, cette proposition, non, me dit Ares Kellington. Oui, limiter Internet réseaux sociaux pour les enfants. En vrai, on passe trop de temps sur les écrans, ça ne fait pas doute, me dit Pastradon. Mais est-ce que c'est la bonne, la bonne solution? Je ne pense pas. Vous voyez, je suis content parce que même sur un truc qui pourrait provoquer des réactions épidermiques, vous essayez de, de, de comprendre, quoi. Il est prouvé scientifiquement que la, que, euh, que la cognition est augmentée en jouant aux jeux vidéo, Melinutizor. Samuel Etienne en a la preuve, il est maintenant capable de dépasser son perso sur Valo sans regarder son clavier. Exactement. Vous voyez qu'Internet, euh, pour, les, pour les personnes âgées, c'est très bien. Hein? Voilà, regardez. Très bizarre. Pour les enfants, oui, il faut réguler un peu, mais de façon logique. Ouais, ça, ça paraît un peu euh, agressif. Totalement impossible, ça va tuer Twitch, ça va tuer YouTube, ça va tuer la création, on va dire Adro Gamer. Et le télétravail alors Oui. Et le télétravail alors La réponse de Xavier Niel sur Twitter est oui, j'ai vu, oui. Ok. Qu'est-ce qu'on fait pour les pros qui ont besoin d'Internet au quotidien Enfin, tout le monde a besoin d'Internet au quotidien maintenant, pour le travail. Bizarre. J'essaie de comprendre grâce à vos commentaires, mais je ne comprends pas trop sa logique. C'est un peu radical, quand même. Voilà. Comme le dit Ipeki, elle met sans doute en parallèle maladroitement deux notions qui n'ont rien à voir quantité de data l'usage qui en effet ouais ça, ça, ça pardon mais je trouve que ça sa prise de position euh, mélange un peu tout quoi. Euh, pareil Samuel me dit de Cold Fire j'ai beaucoup de respect pour elle et je n'ai pas compris sa prise de position ultra boomer là c'est étrange Bon, vous n'êtes pas convaincu quand même. Hein. Bon, ouais. Bon, je ne pense que pas la peine de faire un sondage sur comprenez-vous la prise de position de Najat valo belkacem parce que euh, manifestement euh, vous comprenez pas trop quoi. Enfin, la logique du truc quoi. Je regarde s'il y a un article un peu de fond là-dessus là. Voilà. Euh, quelque chose me dit qu'il y aura peut-être des articles là-dessus euh, demain, demain matin. Voilà. Bon, on y reviendra. Les amis, c'est parti pour les articles du jour. Euh, moi, je, je, je trouve très bien qu'il y ait une pleine page dans le Parisien sur ce qui se passe au Proche-Orient, parce que euh, voilà, y a, ces derniers temps, il y a eu moins d'articles dans la presse sur ce conflit qui euh, qui, euh, qui qui dure. Euh, et cet article euh, du Parisien, page 6 aujourd'hui, nous résume très bien où on en est au Proche-Orient entre Israël et les Palestiniens. Paf la pastèque, merci beaucoup pour, pour le, le septième mois d'abonnement. À Rafah, le mirage d'une évacuation des civils. Euh, selon Israël, il y aura bien une offensive terrestre euh, dans la ville du sud de Gaza, donc la ville de Rafah. Euh, L'assaut est conditionné à l'évacuation des populations civiles complexes à mettre en œuvre. Cet article résume très très bien là où on en est aujourd'hui au Proche-Orient. Benjamin Netanyahu n'en démord pas. Le premier ministre israélien a prévenu euh, dimanche que la pression internationale n'empêcherait pas Israël de lancer son offensive terrestre à Rafah dans quelques semaines après avoir assuré l'évacuation des civils. Euh, Tfam dit, mais oui, évacuer Rafah, mais où, où il va les envoyer C'est toute la question posée par l'article, tu as bien raison. Toujours dans l'optique d'atteindre son but de guerre initiale, éliminer le Hamas, libérer nos otages et s'assurer que Gaza ne sera plus une menace pour Israël, ce sont les mots de Netanyahu. Annoncé début février, un tel assaut s'apparenterait à une escalade majeure dans la détérioration de la situation humanitaire de cette ville du sud de la bande de Gaza, bombardée régulièrement déjà par Tzahal de depuis plusieurs semaines, Tzahal c'est l'armée israélienne, où sont à près de 1,5 million de Palestiniens. Euh, Julien, à ce soir. Euh, Rafa est le dernier réduit dans lequel ces populations ont été contraintes d'évacuer, elles sont aujourd'hui exsangues, épuisées, affamées et en partie malades, rappelle Claire euh, Magone, qui est directrice générale de Médecins sans frontières. Si les chances de l'assaut est retardée depuis son annonce, c'est qu'Israël ne peut se permettre un énième, un énième bain de sang, écrit le Parisien, alors que les avertissements de la communauté internationale se multiplient le nombre de morts ne cesse de grimper. Euh, un bilan Gaza est le plus grand cimetière à ciel ouvert pour des dizaines de milliers de personnes, a encore dénoncé lundi le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. La pression sur Israël vient aujourd'hui principalement des États-Unis, principaux alliés de l'État hébreu, qui répètent leur opposition à toute offensive contre Rafah, mettant en péril les civils et pouvant provoquer à nouveau euh, des milliers de morts. Une offensive majeure là-bas serait une erreur, a encore euh, déclaré Joe Biden. Euh, lundi soir, si la Maison-Blanche continue d'approuver l'éradication du Hamas, plus le bilan humain s'alourdit, moins le pouvoir américain accepte la méthode israélienne. La promesse d'évacuation de la population, puisque c'est ce que dit Netanyahu en disant ah, on va aller taper le Hamas à Rafah, mais on va évacuer les civils, cette promesse euh, s'apparente toutefois à une mission impossible, c'est ce exactement ce que quelqu'un disait dans le chat tout à l'heure. Euh, dans ce territoire adossé à l'Égypte, on est au sud de la bande de Gaza, alors que l'Égypte ne semble pas prête à ouvrir les portes du Sénai, euh, les possibilités d'échappatoire sont minces. Où vont aller ces civils palestiniens hein, C'est toute la question. Euh, L'hypothèse d'un retour dans, vers le nord, hein, qui est quasi détruit, euh, semble peu probable. Près de 80% des bâtiments y ont été rasés ou endommagés. Une partie des civils pourrait être évacués vers la zone côtière d'Al-Mawassi et son camp de tente de fortune, c'est ce que dit la presse israélienne, problème, cette toute petite bande littorale d'une quinzaine de kilomètres euh, carrés, qui héberge nombre de civils déplacés depuis le début, est déjà surchargée. Il y a 1,5 million de personnes à déplacer. Les déplacés du sud de Gaza pourraient dès lors trouver refuge ailleurs, dans des îlots humanitaires, euh, éparpillés dans la Middle Area, au centre de la bande de Gaza, espace moins densifié que les extrémités nord et sud, sauf qu'il y a encore des combats dans cette zone. Bon, ok. C'est ce qui semble se dessiner. Pour installer le maximum de déplacés avec les ressources nécessaires, explique un spécialiste du Moyen-Orient, l'opération semble toutefois complexe à mettre en œuvre, d'autant que les populations ne sont plus en capacité de reprendre la route, surtout les enfants et les personnes âgées, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Pour euh, uh, Guillaume Ancel, ce plan d'évacuation s'apparente surtout à une annonce d'affichage euh, visant à se conformer aux demandes pressantes des Américains, hein, du blabla, quoi. Euh, le spécialiste s'interroge sur le bien fondé d'un énième déplacement des réfugiés vers d'autres zones de guerre, rappelant que des combats ont toujours lieu dans le nord et dans le centre. L'autre conséquence euh, potentielle du déclenchement d'un assaut aux conséquences meurtrières serait l'anéantissement des fragiles discussions pour une trêve euh, dans la bande de Gaza, alors que les négociations patinent toujours. Voilà. Un article, une page dans le Parisien qui nous dit assez bien où on en est de ce conflit euh, du prochain. Je vous lis. Je vous lis. Merci, le gros minet. Comment vas-tu? Patrick Cohen. Je ne pense pas que ce soit le vrai. Parce que Patrick Cohen, il, il, le, le, le vrai, il, 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 il sait. Euh, pourquoi les pays arabes n'accueillent pas les Palestiniens? Patrick Cohen. Pourquoi Parce qu'ils veulent pas. Voilà. Le, la, situation, la situation dans laquelle se retrouvent les Palestiniens aujourd'hui euh, est, 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 est principalement due par l'État d'Israël, bien sûr, euh, mais aussi, et les, les, les pays arabes de la région sont responsables aussi. Voilà. C'est-à-dire que les Palestiniens ont totalement été abandonnés ces dernières années, y compris par, euh, les, par les voisins arabes. Voilà. Euh, parce que euh, les pays voisins, l'Égypte notamment, n'ont absolument pas envie d'accueillir les Palestiniens sur, sur leur sol. Euh, ce sont des chelous. Euh, non, je ne suis pas d'accord, Samuel, je parle de fait. Hein? Euh, L'Égypte n'ouvre pas sa frontière aujourd'hui. Les pays arabes ne veulent pas des Palestiniens sur leur sol. Ils ont peur euh, de déstabilisation, ils ont peur de problèmes sociaux, ils ont peur de problèmes économiques. Ils ont peur d'accueillir aussi euh, des. De, 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 des membres armés du, du Hamas, euh, voilà donc euh, voilà c'est c'est pas de l'analyse hein, c'est du fait hein. les Palestiniens ne sont pas bienvenus euh, dans les pays euh, arabes de la, de la région voilà et puis comme le dit Grossignol, ça ferait plaisir aussi à Israël c'est ce qu'ils veulent c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais la vraie raison c'est un truc un peu égoïste quoi Euh, c'est intéressant ce que dit Chelou. Je trouve que remettre la responsabilité d'accueil sur les pays voisins, c'est alléger la responsabilité d'Israël. Tu as raison aussi. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que si les Palestiniens sont là aujourd'hui dans cette situation, c'est parce qu'ils ont été oubliés du monde entier ces dernières années. Voilà, on a totalement oublié le processus de paix israélo-arabe. On a totalement oublié les pays occidentaux les plus grandes puissances de ce monde, qu'il fallait faire pression sur les acteurs de ce conflit pour les amener à une solution. voilà. Et les, et les, et les pays arabes font partie aussi de, 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 de cet oubli. Quoi. Voilà. Même si, évidemment, le, le cœur du problème est entre Israël et les Palestiniens. Ils ont été oubliés de tous les Palestiniens. De tous. Nicory a raison, hein. il n'y a pas dû de les accueillir ailleurs, ils sont chez eux. C'est comme si en 1960 la France demandait aux Marocains, aux Tunisiens d'accueillir les Algériens. La, so de, la solution de base, la solution de base de, qui, qui, euh, qui préside la création d'Israël, c'est deux États. C'est deux États, ces deux pays, quoi. Sauf que le, les Palestiniens n'ont jamais eu leur pays, leur État. Quoi. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est la seule solution. Encore aujourd'hui. Et tant que la communauté internationale ne fera pas ce qu'il faut pour créer les conditions d'un État, d'un pays palestinien pouvant vivre dans la paix et en harmonie dans la région, euh, avec le voisin israélien, tant que ce, ce pays, cet État n'existera pas, euh, le, le conflit ne s'arrêtera pas. Bon. Bon, à une époque, on en parlait euh, tous les jours. Euh, je trouve dommage qu'il y ait moins d'articles en ce moment euh, dans, dans, dans les médias sur ce sujet. Je trouve, je trouve formidable que le Parisien ait consacré une pleine page à la situation. On voit que c'est très très chaud pour la zone de Rafah. On va suivre ça dans les prochains jours, dans les prochains jours, les prochaines semaines. On va, on va peut-être apprendre qu'Israël lance une offensive qui potentiellement, en termes en terme de coûts humains, sera catastrophique. On va suivre ça, bien sûr, euh, ici. Euh, merci en tout cas d'être resté un peu chill sur un sujet qui est un sujet euh, hyper euh, hyper sensible. Euh, mais on en a parlé des heures pour les habitués euh, le savent des heures et des heures et des heures et des heures sur cette chaîne depuis des mois et des mois et des mois. Ça c'est un sujet qui nous ramène en France mais qui est un sujet qui est très lourd, qui est très dur, qui est très triste. Euh, mais c'est très très beau ce que fait en même temps euh, la Croix, la Croix associée un collectif, une association qui s'appelle euh, les Morts de la Rue. Et comme chaque année, euh, ici en ce mardi 19 mars 2024, euh, eh bien, euh, la Croix et le collectif Les Morts de la Rue rendent hommage à 656 personnes sans domicile fixe, SDF, euh, décédées depuis début 2023. Euh, 656 personnes décédées dans la rue en France depuis le début de l'année 2023, c'est un minimum, hein, c'est un bilan qui ne se veut pas exhaustif, euh, mais il euh, y, y a sans doute plus de décès euh, que ça. Ce sont euh, ceux que cet asso, ce collectif, a réussi à, euh, à compter, à comptabiliser. Euh, je vous explique la démarche dans un, un très bel édito assez touchant, signé Isabelle de Golmin dans La Croix. Euh, on s'indigne, mais on passe tous à côté d'eux sans rien faire, Guaquin. Bah, sans rien faire, ça dépend. Hein. On peut, on peut, au quotidien, on peut. Toujours faire un petit peu pour les gens qu'on voit comme ça dans la détresse, mais bon. Euh, lisons cet édito, intitulé Dignité. Princesse, c'est la femme que vous voyez ici en photo, là, qui est décédée. Princesse, c'est l'une, vous l'avez compris, des 656 personnes mortes dans la rue en 2023. Princesse avait 53 ans. Princesse est morte le 21 août de l'année 2023 dans la rue. Elle était de ceux qui n'ont pas de chez eux et vivent sous nos yeux, dans une invisibilité totale, avec pour seul toit les néons des lampadaires et les ombres des murs. Princesse est partie, après une vie d'adulte commencée trop tôt, 14 ans sans doute, une existence br brûlée par l'addiction aux drogues euh, et l'alcool, une vie de violence, une vie de misère. Princesse est l'une des 656 personnes sans domicile, décédées depuis début 2023, auquel le collectif Les Morts de la Rue tient à rendre hommage aujourd'hui. Oui, Princesse, et son surnom, euh, Zanonox. Ça me semble un peu évident quand même. Zanonox, tu étais fort. Euh, Concentre-toi sur les, les faits. Princesse est l'une des 656 personnes sans domicile décédées depuis début 2023, auxquelles euh, la Croix et le collectif Les Morts de la Rue tient à rendre hommage aujourd'hui. Il y a même une cérémonie à Paris aux Arènes de Lutèce. Euh, cérémonie en leur mémoire. L'heure longue Lecture, la longue lecture, la trop longue lecture de tous ces noms. Voilà. Ici. Voilà. La Croix publie les 656 noms. La longue, trop longue lecture de tous ces noms que la Croix a voulu mettre dans ses pages est d'abord un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, on puisse encore mourir dans la rue. Je relis cette phrase. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, on puisse encore mourir dans la rue. Et il est tout autant que ces SDF ne vivent en moyenne que 48 ans, moyenne d'âge des victimes 48 ans, et qu'ils décèdent souvent de morts violentes, c'est-à-dire à la suite d'une agression, d'un accident de rue ou d'un suicide. Mais cette cérémonie se veut un, aussi un hommage à des personnes. Qu'est-ce qu'une vie comme celle de princesse Toxicomanie Alcoolisme, je voudrais résumer certains, pourtant Princesse était une femme, une boule de vie et d'énergie, racontent ceux qui l'ont connue. Princesse a eu des amis, elle a protégé d'autres femmes. Princesse a fait du bien, elle a ri, elle a plaisanté, elle avait ses coups de cœur et ses coups de gueule, elle savait être généreuse et qui ne n'avait pas grand-chose. Princesse ne saurait être assignée à sa condition de SDF, elle était aussi une personne dont toute sa dignité, comme nous le rappelle le collectif Les Morts de la Rue. L'affirmer, c'est la première manière. De résister contre l'exclusion. Voilà. Je ne vais pas vous lire les 656 Non, J'aurais voulu le faire, mais ce n'est pas possible pour des raisons matérielles, sinon on ne pourrait pas lire d'autres articles ce matin. Mais je trouve ça très beau, très fort, très poignant que La Croix publie ce matin ces 656 euh, Non. Voilà. Euh... Ce qui saute aux yeux quand vous les parcourez quand même, c'est l'âge très jeune. Euh, des personnes voilà. euh, en moyenne autour de 50 ans voilà. euh, et le fait que malgré les recherches de l'association on n'est pas toujours l'identité de ces personnes voilà. on a parfois mais pas souvent un prénom et un nom parfois on n'a qu'un nom parfois qu on a, n'a qu'un prénom parfois on n'a qu'un pseudo, un surnom princesse, mais parfois on n'a rien et ça donne Franck 50 ans en janvier hier. Mohamed Faisal, 48 ans, 1er janvier, à Paris, 13e. David, dit le prince des rigoles, 49 ans. Un homme non identifié, 60 ans environ. Thierry, 65 ans, le 4 janvier. Une personne, le 2 mars, à Bordeaux, on ne sait pas qui c'est. Un homme, 60 ans environ, euh, à Poissy. Benjamin dit The Fisherman, 46 ans à Toulouse. Un homme dit Mousse, ou alors l'oiseau, on l'appelait l'oiseau aussi, 57 ans. Une adolescente, 16 ans, le 6 mars, à Sarcelles. Voilà. Il y a quatre pages comme ça. Et encore, ce n'est que... Ce, il n'y a pas tous les noms des gens qui, des gens qui, sont, qui sont morts à la rue cette année. Euh, voilà pour ce que fait le, ce collectif, voilà ce que fait aussi euh, La Croix. Moi, je trouve ça très, très bien. Voilà, euh, une façon de rendre euh, leur dignité à ces personnes euh, que, que nous regardons le plus souvent euh, ont euh, ignoré. Quoi. Je vous lis un petit peu sur le sujet. Et puis, euh, merci pour tous les F. C'est une façon de vous associer à ça. quoi. Je vous lis. Je vous, lis, je vous lis. Ok, il y a Zaldarf qui dit je fais partie de cette association. Euh, J'avais pas vu ton message. Je participe notamment aux obsèques de... Oui, parce que oui, je, tu as raison. Je ne l'ai pas dit, mais euh, cette association organise des obsèques aussi pour ces personnes. Je participe notamment aux obsèques de personnes qui sont seules et sans famille pour qu'ils ne meurent pas oubliés de tous. Euh, Zaldarf, bravo. GG à toi. Olive Poff écrit dans le chat ce matin, à l'heure actuelle, sans les associations, ces personnes n'existent pas. Il n'y a plus de politique sociale depuis de nombreuses années dans notre pays. N'oublions pas de soutenir nos associations, n'oublions pas d'aider quand nous le pouvons. Donnons du temps. Bon, désolé, je ne vous... suis pas en mode bonne nouvelle ce matin, mais il euh, y a des sujets euh, sur lesquels il ne faut pas passer, je pense. Voilà. Et le, la croix, on parle une fois par an. Et je ne voulais pas rater ce, ce dossier. Quoi. Là. Et là, on en reparlera sans doute l'année prochaine dans euh, les mêmes euh, conditions. Euh... Il y a un truc qui va pas du tout à Météo France. Bon, ça, je sais, c'est un sujet euh, que j'ai en tête, puisque je vous le disais, moi j'ai un copain Runner qui travaille à Météo France et qui me parle de ça depuis des années. Voilà. Baisse de dotation, baisse des moyens pour ce service public, beaucoup de suppression d'emplois à Météo France. À un moment, quand tu demandes à moins de personnes de faire le même taf qu'avant, voire plus, parce qu'il y a plein de nouvelles missions à Météo France ces dernières, ces dernières années qui sont été mises en place, il y a un moment, euh, il y a un truc qui va coincer. Et eh bien ça coince, ça va pas du tout. Météo-France complètement à l'ouest. Libération se régale avec, avec les titres euh, ce matin. Depuis la mise en place d'un logiciel d'automatisation qui s'appelle Alpha pour pallier justement la réduction euh, des effectifs, euh, l'Institut multiplie les prévisions incohérentes. Exaspérés, les salariés prendront part aujourd'hui à la grève de la fonction publique. Euh, que se passe-t-il Édito de Paul Quignot. Édito, c'est un article où le journaliste donne son avis. C'est aussi parfois un, un article qui résume. Euh, assez clairement une situation complexe. C'est le cas avec cet éditorial de Paul Quignaud qui écrit de très bons euh, éditos. Avis de tempête, sale temps, orage à prévoir. La liste des métaphores plus ou moins drôles pourrait être longue comme le bras pour décrire la situation de crise qui sévit aujourd'hui à Météo-France. On préférera, parce que l'affaire est sérieuse, citer un prévisionniste de l'agence météorologique qui, comme beaucoup de ses collègues, répondra aujourd'hui à l'appel de la grève dans l'instruction publique, euh, ce prévisionniste qui dit ⁇ Je ne recommande à personne de regarder les cartes de base qui annoncent la pluie et le beau temps, elles sont souvent truffées d'erreurs, ça n'est plus du tout fiable ⁇ Le constat est partagé par un client de Météo France, responsable des services techniques d'un département, qui dit ⁇ La prévision que nous payons n'est pas bonne ⁇ Diantre, Météo France, baby, quoi !⁇ en cause, qu'est-ce qui se passe Le recours par Météo France à une nouvelle base de données qui fournit des modèles et délivre désormais la météo au grand public. Couplé à une baisse importante des effectifs depuis euh, 10 ans, l'utilisation manifestement précipitée de cet outil informatique entraîne une multiplication de bugs, la diffusion de fausses informations en nombre, un picto neige par exemple, alors qu'il fait 10 degrés une vitesse de vent largement sous-estimée par ici. L'enjeu dépasse la question du, euh, du matin euh, sur le parapluie euh, ou pas au fond du sac, petite ou grosse laine sur le dos, parce que les informations météo sont cruciales pour de nombreuses professions, euh, pour de nombreux enjeux économiques ou pour euh, des questions de sécurité. Le malaise à Météo France n'a évidemment rien à voir avec l'utilisation de data, mais avec ce grand classique écrit libé des gouvernements libéraux pour qui la fonction publique n'a d'avenir qu'à condition d'être réduite. Appliqué à Météo France, ce dogme qui nourrit la colère des agents est d'autant plus incompréhensible que dérèglement climatique oblige. Eh bien, la demande d'informations fiables n'a jamais été aussi vitale. Je résume l'IB, on n'a jamais eu autant besoin aujourd'hui de météo fiable et on a cessé ces dernières années de réduire les moyens de Météo France, notamment les moyens humains. Et aujourd'hui, eh bien, euh, la qualité de la prévision s'est dégradée. Voilà. Euh, Meurs me dit J'ai un ami dans ce domaine qui m'a dit que les infos à plus de 48 heures, vraiment, il ne fallait pas s'y fier. Joli. Je vous lis. Il hein. bon, y a beaucoup qui continuent à échanger sur les sujets précédents, c'est très très bien d'ailleurs. Euh, il fait tout, et dans l'actualité, parfois il y a de mauvaises nouvelles. Il fait tout, je dis mais tu veux nous plomber le moral ou quoi euh, voilà, je, Moi, je ne suis pas un collecteur de bonnes nouvelles. Hein. Mais c'est vrai que ce matin, c'est un petit peu lourd, j'avoue. C'est vrai que quand tu bosses dans le BTP et qu'on t'annonce un moins de degrés avec chute de neige, alors qu'au final il fait 12 degrés plein soleil, ça la fout mal, dit Situs. Euh, Solo Chiro, bienvenue chez nous. Tu es au bon endroit. Encore une preuve qu'on a du retard en informatique et qu'on ne met pas les moyens pour quelque chose de, de qualitatif, dit Prise. En fait, le, le logiciel n'était pas prêt et ils ont forcé pour le mettre en, en place. Merci beaucoup, euh, Warsforce, c'est gentil. Est-ce que euh, les prévisions d'autres agences météo font les mêmes prévisions sur la France Utopie, je n'ai pas. Euh, Libération n'en parle pas. Poutine, David, on en a parlé hier. C'était un sujet. Euh, L'élection présidentielle avait lieu ce week-end, donc on en a parlé hier, lundi. Tu vois, tout ça dans le replay. Bien sûr qu'on en a parlé hier, c'est tellement essentiel. Vinox euh, FTN, merci beaucoup pour le Prime, merci pour le soutien. Oui, c'est vrai que j'ai des petits yeux, Elias. J'abuse un petit peu de valon en ce moment. J'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Météo France, donc. Euh, et maintenant, on va parler. Euh, oh bah non, attendez, attendez, attendez. j'avais oublié. Il y a l'aspect humain sur lequel je, je voulais m'arrêter aussi à Météo France avec euh, des témoignages. De, de, de prévisionnistes qui disent vraiment c'est dur humainement. Quoi. Après, je vous parlerai de, de Lactalis, la boîte du lait. Là. Météo France a vu donc ses effectifs fondre en 10 ans, tandis qu'en parallèle, euh, son... Ce, le nombre de ses missions a cru pour faire face au changement climatique hein, sur les îlots de chaleur, sur les risques de feux de forêt, par exemple. À les écouter, on pourrait se croire dans les couloirs d'un hôpital, l'enceinte d'un tribunal ou encore les murs d'une salle de prof, les mêmes mots pour les mêmes peines, manque de bras, absence de moyens, bricolage, découragement, amertume, les salariés de Météo France n'échappent pas au délabrement du service public, écrit Libé. Je suis rentré il y a 40 ans dans cette maison et je peux vous dire que je n'ai jamais vu autant de collègues au bout du rouleau, atteste cet agent d'une petite soixantaine d'années. Même les gens qui ont une certaine bouteille, les armes pour mieux encaisser, se disent aujourd'hui exténués hein, quand le travail euh, épuise. Comme s'ils étaient happés dans un programme de machine à laver sans fin. Ces dix dernières années, l'établissement public à caractère administratif, donc Météo France, a perdu plus de 20% de ses effectifs, ce qui est énorme. Euh, de 3 310 postes en 2013, on est passé à 2 614 l'an passé. Baisse drastique, délétère, ont conduit à une pression accrue sur les équipes. Euh, la mise en place de Rustin, dont la dernière en date au cœur d'un mouvement social interne consiste à compenser la pénurie de prévisionnistes de la chaîne de production de données avec un, un truc d'automatisation. Eh bien ne marche pas très bien. météo france est à l'os place aux machines. la situation actuelle de la, actuelle de la célèbre institution chargée d'assurer le service national météo et l'élaboration également des connaissances sur le climat ressemble à une prise en tenaille. de nombreuses équipes sont en sous effectif. les conditions de travail sont à la limite de l'insoutenable et pourtant jamais la maison n'a été aussi sollicitée. on est attendu au tournant par un paquet d'acteurs différents, et explique un prévisionniste, François Giraud, qui est membre de la CGT Météo. Les citoyens, le gouvernement, les collectivités locales, les entreprises, vous savez quand il y a des, quand il y a des problèmes euh, euh, de météo, euh, des météos extrêmes à chaque fois, c'est ah ben, est-ce que Météo France l'avait bien prévu, nous avait bien annoncé le truc Tout le monde est en train de prendre conscience de la réalité du changement climatique, des risques que les événements météorologiques extrêmes, l'augmentation des températures, je vous en parlais à l'instant. Donc, tout le monde a le regard fixé sur nous, sauf qu'il y a un décalage fou entre les besoins croissants du recours à nos services et la réalité du nombre d'agents pour y répondre. Voilà. Merci, euh, Koki Senpal, pour ton message. Hein, faire plus avec moins dans toutes les entreprises en ce moment c'est la même situation estime Reynolds confirmation de OJ Winehouse euh, je ne suis pas dans le service public mais dans le privé on vous rassure c'est la même chose chez nous voilà. je suis agriculteur me dit euh, Polygon et on n'arrive plus à se fier à la météo alors que c'est essentiel pour notre métier la fonction publique est toujours vue comme un coût euh, c'est vrai, mais ce sont aussi des services rendus, euh, nous rappelle l'AMAZ. Je travaille à l'hôpital et en libéral, et c'est pareil partout dans tous les services non financiers, ce C'est pareil dans toutes les entreprises, penser qu'on remplace dans un claquement de doigts des hommes par des automates. Voilà, euh, Draxoo TV, je regarde la météo tous les jours pour mon taf, et franchement, c'est imprécis de malade. Même trois heures avant de sortir, ça n'est pas précis. Voilà, bon, bah, je crois que le constat, il est partagé euh, par tous. Ouais. un témoignage de bouc moustache dans le tas. Je suis surveillant pénitentiaire et nous aussi, euh, on galère sur population carcérale et manque d'agents. Merci Libé pour cette enquête. Triste sien. Merci Musti. Alors, je vous, en, je vous en parlais. On va aussi parler de Lactalis. C'est le nom de l'entreprise qui pop souvent quand on parle de la crise agricole et de la colère des agriculteurs euh, en France. Euh, Lactalis, numéro un mondial du lait, c'est français, c'est français mais c'est une entreprise qui euh, soulève quelques problèmes. Un système vache, bon libération sur un petit peu plaisir, hein, Libé euh, aime le jouer avec les mots et plus sérieusement, en pleine crise des agriculteurs, le numéro un mondial du lait a été ciblé par des manifestants qui dénoncent ses prix d'achat très bas, gourmand d'acquisition et enclin au silence, le groupe fait objet, objet euh, également l'objet d'enquête hein, actuellement pour des pratiques anticoncurrentielles. Euh, euh, on on, on s'entend entre entreprises sur le dos des consommateurs et d'évasion fiscale. On met les sous un petit peu dans des pays où ça va bien. quoi. Donc, Lactalis, une, 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 une entreprise, nous dit Libé, qui n'est pas blanche-blanche. Euh, euh, voilà. Euh, 28 milliards de chiffres d'affaires. 28 milliards de chiffres d'affaires. 85 500 salariés. C'est à peu près après la taille de mon entreprise de streaming, pour vous donner. Euh, une petite idée. 270 laiteries et usines installées dans 51 pays, États euh, différents. Euh, le groupe a détrôné en 2022 Danone comme la première entreprise française euh, du secteur euh, agroalimentaire. Pôle Position, Paul position, mais qui n'a pas adouci euh, les méthodes et la quasi-obsession du secret de cette entreprise mondiale, détenue par une famille. C'est une entreprise, euh, euh, oui, rébondée, les chiffres d'affaires, ses différents bénéfices, oui. Enfin oui, fin, tout le monde le sait, je pense. Un chiffre d'affaires, c'est l'argent qui rentre dans l'entreprise, mais après il y a les salaires, il y a les charges sociales. Enfin, euh, oui. Enfin, on a tous, euh, on est tous. Euh, je pense que tout le monde le sait ici. Bah, c'est pas non plus, euh, pas non plus l'actu expliqué euh, en maternelle, quoi. Enfin, je pense, quoi. Je pense, j'espère. Je je, bah, je, S'il faut que j'explique euh, dans chaque article un peu économique ce que c'est un chiffre d'affaires, un bénéfice, un dividende, euh, hein. Soit, être. Euh, hein. Ce n'est pas le petit quotidien pour, pour les petits quand même. Je, je pense, je pense. Euh, alors je continue. C'est une entreprise familiale hein, qui est détenue par une famille, les, les Bessniers, dirigée par Emmanuel, qui est l'un des trois enfants de la troisième génération aux commandes. Sollicité par écrit, Lactalis n'a pas souhaité répondre à la liste de questions que lui a adressée Libération. Euh, elle n'a pas euh, non plus rendu Lactalis plus généreux dans la rétribution des paysans. Euh, Johan Sero, qui élève 70 vaches dans le Perche, note même un durcissement au sommet du groupe. On dit beignet, on prononce pas le S, merci beaucoup. Famille beignet. Pourtant, je me posais la question, et la réponse est dans le chat, vous êtes trop fort. Pourtant, de l'avis de nombreux observateurs, le groupe avait fait profil bas depuis la crise de 2018, durant laquelle l'Actalis avait été sévèrement mise en cause, vous vous en souvenez peut-être, pour la présence de salmonelle dans du lait infantile. D'autant que la loi Egalim, dont on a beaucoup parlé ici, dont l'objectif est de pacifier les négociations commerciales entre les agriculteurs et euh, l'agroalimentaire, l'industrie et la grande distribution, en garantissant des prix minimaux et des marges bénéficiaires. Cette loi EGalim, qui n'est pas bien appliquée aujourd'hui, euh, cette loi venait d'être adoptée à l'époque. La puissance de l'Actalis lui vaut évidemment quelques solides inimitiés. C'est ainsi qu'en février 2012, un de ses principaux candidats, Sodial, euh, avait été allé voir l'autorité la, de la concurrence et avait balancé en fait sur euh, euh, un cartel du yaourt hein, dans lequel des entreprises s'étaient entendues pour fixer les prix hein, pour euh, fausser la concurrence cartel du yaourt dans lequel lactalis avait une place prépondérante la sanction euh, peut s'avérer très lourde euh, quand euh, l'autorité détecte une entente entre entreprises hein, sur le dos des consommateurs voilà et en 2015 la décision est tombée sans 92 millions d'euros d'amendes oh 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 pour 10 entreprises, dont 60 millions d'amendes uni uniquement pour l'Actalis. Visiblement, la sanction n'a pas été dissuasive, puisqu'en 2022, 4 entreprises laitières, dont encore l'Actalis, euh, dont Sodial, l'entreprise qui avait dénoncé quelques années plus tôt, marche sous la tête, ont reçu une visite inopinée des inspecteurs de l'autorité de la concurrence. Des documents ont été saisis, les disques durs des ordinateurs ont été aspirés, et ces groupes sont soupçonnés d'une nouvelle entente dans la collecte du lait auprès des éleveurs. L'enquête est d'ailleurs toujours en cours. C'est pas beau, c'est pas beau. Le numéro un mondial du lait est sans doute l'une un, des rares entreprises françaises à se retrouver simultanément incriminés dans, dans trois procédures. Il y a l'enquête de l'autorité de la concurrence dont je viens de vous parler, mais ce n'est pas tout. Le fisc, le parquet national financier euh, ont lancé leurs propres investigations. Les mois qui viennent risquent d'être agités pour le PDG de Lactalis. Révélé par Libération, un redressement fiscal massif de près de 300 millions d'euros Waouh est en cours. Les agents des impôts ont mis en lumière un mécanisme d'évasion fiscale dans lequel une partie du bénéfice euh, imposable en France aurait été en fait dirigée vers une filiale. Euh, en Belgique et euh, au Luxembourg, où les prélèvements obligatoires sont beaucoup plus doux. Voilà. Alors, quelqu'un disait Oui, mais attention, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Alors, on va se pencher euh, très rapidement, même si vous avez, je ne vous ai pas mis de jaune fluo, sur la, la fortune euh, personnelle euh, du patron de Lactalis. Alors, je vous ai trouvé ça quelque part. Je crois que j'ai. Où est-ce que je vous ai trouvé ça je retourne sur l'article. J'ai l'impression que je, je vous ai pas mis, euh, je vous ai pas mis le papier dans son. Ouais. Ouais, je vous ai pas mis le papier dans son intégralité. Vous avez une pleine page sur Emmanuel Beignet, voilà, euh, qui est le, le, le patron de l'Actalis. Parce que quelqu'un disait toi, oui, mais vous confondez tout, chiffre d'affaires, bénéfice. Ça se trouve ne fait pas trop de bénéfices. Le bénéfice il sert à, à investir, dans le meilleur des cas, à verser des dividendes aux, aux actionnaires aussi. Et à assurer parfois la fortune de, de, de son patron. Alors, euh, donc, est-ce que l'entreprise est en difficulté Est-ce que l'entreprise ne gagne pas d'argent Auquel cas, effectivement, ce, 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 ce pauvre Emmanuel Beignet euh, euh, serait un peu à la rue. Alors, on en est où La fortune personnelle, elle est où On va trouver ça. Je crois qu'il est dans ce papier. À la fin ou au début Je vais vous trouver ça. Ok. Classé au dixième rang des plus grandes fortunes françaises en 2023, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Euh, avec un patrimoine professionnel, un patrimoine professionnel euh, estimé par le magazine Challenge à 14 milliards d'euros. Voilà. voilà. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc, manifestement, euh, l'entreprise va bien. En tout cas, son patron à, à ce qu'il faut, quoi. Il a un peu de quoi avoir, voir venir l'avenir, comme le dit Moulbit. Voilà. Donc c'est là, est, il est dans le top 10 des plus grandes fortunes françaises. C'est aussi peut-être aussi ce qui provoque la colère des agriculteurs. Quoi. Hein? Euh, certains qui, qui gagnent quelques centaines d'euros par mois. Quoi. Merci Venox pour le Prime. 14 milliards. 14 milliards. Bon, je suis un peu d'ironie, mais euh, voilà, euh, manifestement, euh, manifestement c'est une entreprise qui... En fait, pourquoi on en parle actuellement Parce qu'on est dans une crise du secteur agricole et les agriculteurs dénoncent, en fait, le fonctionnement de cette entreprise, quoi, qui, qui, paye, qui paye mal, quoi. Ouais. Et puis, manifestement, qu'il y a des enquêtes sur le dos, évasion fiscale, euh, euh, évasion fiscale, donc en, en tente, euh, entente illicite entre concurrents, voilà, quoi. Donc il y a un petit souci lactaliste quand même. Enfin, en tout cas, c'est ce que semble dire Libération. Euh, de quoi je vous parle aussi ce matin Ah ben bah non, je suis retourné dans Libé. Euh, de... Tchouk. Ah, des camions qui vont carburer électrique. Alors là, c'est un peu... Euh, pas très intuitif. Les camions, avec euh, le, le, le besoin d'autonomie des poids lourds pour livrer aux quatre coins de la France, sinon de l'Europe, par exemple, euh, avec euh, euh, de, une, une masse embarquée hyper lourde. Des camions à l'électrique Vraiment Alors, c'est un petit peu étonnant comme ça. Et pourtant, euh, c'est l'objet euh, d'une étude euh, dont parle le Parisien ce matin. L'avenir du poids lourd du camion serait euh, l'électrique. Les camions aussi veulent carburant électrique Comme la voiture, le poids lourd devra tôt ou tard dire adieu au moteur thermique. Bon, bah, ça en soi, c'est une bonne chose. Une association met en avance ce que la filière pourrait apporter à l'environnement. Let's go. Euh, Art Article d'Erwan euh, Benozet, page 8 dans Le Parisien. Euh, qui nous explique qu'il y a un salon international du transport et de la logistique en ce moment euh, à Villepinte en Seine-Saint-Denis jusqu'au 21 mars, donc c'est à cette occasion que le Parisien euh, publie ça concernant les voitures, le calendrier réglementaire il est très clair en Europe, la commercialisation euh, des voitures quand elles sont équipées d'un moteur thermique et sans sous-diesel ne sera plus autorisée à partir de 2035 hein, vous le savez, merci Bubu pour l'abonnement offert à use Russian euh, donc ça c'est pour les voitures les poids lourds, en revanche, vont bénéficier d'une dérogation, mais pour combien de temps La réglementation CO2 PL (PL poids lourds) impose déjà une réduction de 90 des émissions de gaz à effet de serre dès 2040 par rapport à 2019. Donc c'est assez contraignant. Et pour éviter que le secteur ne se retrouve tôt ou tard devant un mur infranchissable, eh bien, mieux vaut prendre les devants dès maintenant. En gros, il va y avoir des obligations légales d'émissions de gaz à effet de serre qui font que euh, il faut absolument que les entreprises du secteur anticipent. Alors anticipent pour aller vers quoi Électrique Hydrogène On va voir. Dans un premier temps, et c'est ce que reflétaient beaucoup des articles qu'on a lus ces dernières années sur cette chaîne, euh, dans un premier temps, les pouvoirs publics voulaient voir coexister trois technologies. Hydrogène, biogaz, euh, et euh, le 100% électrique. Sauf que les choses manifestement ont changé dit le parisien. Euh, tout, tout, tout. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz a du plomb dans l'aile, tu m'étonnes. Euh, L'hydrogène n'est pas jugé assez mature techniquement, technologiquement, euh, à court terme en tout cas. Les espoirs se sont donc reportés sur l'électrique qui coche beaucoup de cases. Les technologies en plein essor pour les voitures posent néanmoins de nombreuses questions. 50% des camions sur le marché seront électriques en 2030, selon les prévisions. Est-ce que c'est vraiment réaliste La part aujourd'hui n'est que de 0,1%, avec un nombre de modèles disponibles très réduit. Autre point, la recharge. Selon l'association qui s'occupe de tout ça, la mise en place de 45 000 à 60 000 points de recharge serait nécessaire dans tout le pays d'ici à 2025. Ça va être compliqué. Euh... Autre frein, le prix de ces camions électriques. Aujourd'hui, trois fois plus élevé qu'un modèle thermique équivalent, mais un prix qui pourrait peut-être être amorti par des coûts d'exploitation plus faibles pour l'énergie et pour la maintenance. À condition que les prix de l'électricité n'explosent pas, hein, l'évolution du prix de l'électricité sera un des facteurs déterminants de l'ensemble de l'équation économique du camion électrique. Vous en pensez quoi Oh, j'ai envie d'un café. Donc, les gigatrucks de 60 tonnes et 25 mètres vont aussi rouler électriques. On en parlait la semaine dernière. Nous dit oui des terrains de tennis électriques, c'est du grand n'importe quoi. Hmm. Déjà, remplir le réservoir d'un poids lourd prend 10 minutes. Je me demande combien de temps il faudra pour recharger la batterie d'un camion. Rigole, gros Il n'y a déjà pas d'assez de bandes pour les voitures. Alors, vu le trafic des camions en France, c'est impossible qu'ils imposent ça. Voilà. dites euh, X, qui semble connaître le sujet, nous dit Les technologies actuelles. Euh, merci Draxou TV, <laughs> participation pour les 14 milliards. Euh, les technologies actuelles ne permettent pas aux camions de rouler l'électricité. La plupart d'entre eux traversent la France en une journée, et ça plusieurs fois par semaine, sans parler du rechargement nécessaire, qui serait long à attendre tant dont ne dispose pas les entreprises de transport, les temps de conduite étant très réglementés, je vois mal le processus se mettre en place. L'hydrogène n'est pas assez évolué non plus, il y a qu'à voir l'entreprise opium. Intéressant ça. J'en doute, pose la question, mais ces camions électriques seront limités à combien de gigaoctets Très bonne question. Merci Yugi pour le 4 mois. Mougui, je vais super bien, merci beaucoup. Euh, Najat Valo KSM et les 3 gigas d'internet, il fait tout, on en a parlé au début de ce stream. Tu l'as en replay, mon ami. Je ne me reconnais pas, me dit Dégrelok, c'est trop gentil. J'ai le choix entre plusieurs streams de jeux vidéo, et Dieu sait s'il y a des belles choses sur Twitch, et j'écoute un mec parler de l'info. N'importe quoi euh, Dégrelok, qu que, mais qu'est-ce que tu fais Je ne te reconnais plus. Mais merci d'être là. Il y a le poids des batteries aussi euh, dont l'article ne parle pas. C'est Moot qui en parle dans le chat. Pour un camion, ça peut peser plusieurs tonnes hein, les batteries, donc ça rajoute de la consommation aussi. Hmm. Hein, combien de kilos de minéraux pour une batterie de camion Demande le terme TV aussi. Hein. Pardon, je suis un petit peu mais Peut-être mettre du chauffage, tiens. Mmh. Un peu froid ce matin. Pas assez dormi. Alors, Draxou TV est peut-être un peu plus optimiste. Moi, je trouve que ça critique beaucoup l'électrique, mais cette technologie ne cesse d'évoluer. Oui, aujourd'hui, ça peut être dur, mais de jour en jour, ça charge de plus en plus vite avec de nouveaux systèmes, de nouvelles techniques. Le démarrage est difficile, mais la finalité peut être bonne. Magiquement Monkey, ce soir du jeu vidéo là ce matin la sur l'actu ouais ok l'éthanol ils en parlent pas bah non qui les live ils en parlent pas dans l'article ils en parlent pas ah, par contre, va, par contre, on va parler de sucre. Euh, on va parler de sucre euh, parce qu'on a, a un vrai problème de santé publique euh, autour du surc, sucre. Attendez, il y a un... Hop, je regarde un, un truc dans le chat... Ok. Un petit, euh, un petit élément du... De... Ouais, le sucre, ça va pas du tout. Vous avez de la pâte, vous avez du sucre. Alors avec la pâte, vous faites une crêpe et vous mettez du sucre dessus. Eh bien non, justement, on en mange trop, du sucre. Euh, industrie alimentaire, c'est la lune du Parisien ce matin. Du sucre à toutes les sauces. Alors, il y a une petite blague dans le titre du Parisien, parce que dans les sauces, dans les sauces de pâte notamment, c'est gavé de sucre, par exemple. Ouais, dans le salé en France, il y a plein, plein, plein de sucre. Quoi Vous avez la ref Vous avez la ref la crêpe Jiji, sinon il y a la crêpe Jiji avec des pétales de rose. Voilà. Euh, il se cache dans pratiquement tous les produits transformés, une enquête inédite par son ampleur. Vous avez une nouvelle enquête là-dessus Pointe cette dérive néfaste pour la santé. Il y a trop de sucre. Cachez ce sucre que je ne saurais voir. D'après une enquête de l'agence de sécurité sanitaire, le sucre est présent partout dans les produits transformés, y compris les produits salés. Comme les pizzas, il y a du sucre. Euh, dans les sauces pour les pâtes, il y a du sucre. Dans la charcuterie, dans la charcuterie, baby, il y a du sucre. Dans mon saucisson, il y a du sucre Enfin, non. Bref, non. Vous m'avez compris. Euh, Fof merci beaucoup pour le 28e mois d'abonnement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Depuis 10 ans, euh, bonne nouvelle quand même, il y en a moins. Il y a beaucoup de sucre. Oui, je sais, c'était bizarre, la, la phrase était bizarre. Alors, désolé. Euh, il y a beaucoup de sucre dans le produit transformé. Il y en a quand même moins qu'avant. Ah, que, que, souvent, vous me dites ça, mais as pas, as pas une bonne nouvelle Tu pas une bonne nouvelle il y a beaucoup de sucre dans notre alimentation transformée, mais il y en a moins qu'avant, puisque les pouvoirs publics, dans un pays comme la France, sont intervenus et ont mis des règles, ont fait pression sur les industriels. Donc, voilà, on, se, on critique beaucoup les pouvoirs publics, mais parfois, euh, il y a des choses qui se font euh, pour encadrer euh, le marché voilà, et, euh, et pour aller vers du mieux. Euh, on verra ça à la fin de l'article. Euh, dans le beurre salé, il y a du sucre Dans le beurre salé, il y a du sucre, euh, je ne sais pas. Dans, mais il y a les éléments salés où il y a beaucoup de sucre il arrêtez avec les pimps Arrêtez avec les pimps Les PIMS oranges, les PIMS poires, vous, vous. Hein Il y en a marre. Il y en a marre des PIMS. Faites ce que vous voulez, vous pouvez manger des pimps Vous pouvez manger des figolus, vous pouvez manger des, euh, des, des chocobéennes, des chamonix, des. des les mikado, des. des micados, des Ce que vous voulez. Ah, ça y est, le débat sur les pimps s'est lancé. Ah, ah les pimps. Des dinosaures. Oh, les granolas, c'est trop bon. Il y, des... il y a un petit peu de sel dans les granolas. Les figolus. Mais bien sûr. Téléchoc, c'est trop sucré, je trouve. Euh, il y a trop de sucre. J'aime pas. Les granolas, il y a un petit côté, tout une petit, petite pointe de sel. C'est bon, les granolas. Les pimps framboises, non, Tikos. Non, non, ça, non. Ça, non. pas trop. C'est un peu sucré, les pimps. Les petits écoliers, les petits écoliers, mais bien sûr. Ouais. Non, non, sur les biscuits Kinder Bueno, on va pas parler des bars machin. Hein? Les palais bretons, les thés de l'U. Hein? chamonix, c'est solide. Ah bah, est le, euh, Vico, on les... chamonix, c'est solide. Hein? T'en manges deux, t'es es bien. Hein? T'es bien. Hein? Les gigachats. <laughs> les gigachats mangent des petits écoliers, me dit Oisou. Les spéculoos, ah, c'est sucré ça aussi. Hein. Les sugus, ça vous connaissez pas, dit Je sais pas en quel pays tu es, euh, Anatim mais les sugus, je connais pas. Mais comme je suis curieux, je vais aller voir les sugus pour voir si c'est un vrai gâteau ou c'est une cochonceté. Ah, sugus, S-U-G-U-S. Qu'est-ce que c'est que ça encore C'est suisse. Qu'est-ce que c'est que ça C'est des bonbons, ça mais on parle, de, on parle de gâteau sec. Tu ne suis pas, tu ne suis pas. Anatime, tu ne suis pas. Attends, je vous montre. Regardez. C'est Sugus. C'est des bonbons, ça. Bonbons aux fruits. Euh, enfin, Anatime. Tu suis pas, tu ne suis pas, tu n'es pas concentré. Oh. Merci, Fauvetouille. Oh, c'est fou, ça. Hein? Alors on continue sur le sucre. C'est parti. Article de Frédéric Mouchon. Saccharose. Je vous mets l'article. Saccharose. Sirop de glucose fructose aspartame dextrose sirop de mélasse concentré de jus de fruits. Vous cherchez un synonyme du mot sucre C'est simple. Ouvrez les placards, lisez les emballages de vos biscuits, plats préparés, confitures, sauces, boissons et même charcuterie. Eh bien, le sucre est partout. Le sucre est partout, y compris dans des produits qu'on soupçonne pas, comme dans les saucisses, il y a du sucre, dans les pizzas. Il y a des dont les conserves de petits pois, eh bien, ils mettent du sucre. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'enquête publiée aujourd'hui, mesdames et messieurs, par l'Agence nationale de sécurité euh, sanitaire de l'alimentation, l'ANSES, qui a passé en revue la liste des ingrédients de près de 40 000 produits présents sur le marché. Euh, C'est une première en Europe, sacrée étude quand même. L'étude montre que la majorité des produits contiennent au moins un ingrédient sucrant ou vecteur de goût sucré. Et ce, même dans les aliments salés, alors moi j'ai appris un truc là. Où les industriels s'en servent, par exemple, pour améliorer la texture, pour améliorer le, le goût. Dans les ratatouilles en boîte, il y a du sucre pour le rendre le truc moins acide. Voilà. Dans le saucisson, il y a du sucre. Dans le saucisson, il y a du sucre. Mais où va, mais où va notre civilisation Dans le saucisson, on met du sucre hein, euh, pour une meilleure conservation. Mais, mais cette civilisation est en train de s'éteindre. Les amis. Ça n'est pas possible. C'est une exactement. Hein. Incroyable. Eh ouais, c'est fou. Eh oui. Continuons. Les chips, les chips, les gars, les chips. C'est le chips. Les chips, c'est l'incarnation du salé. Les chips c'est du sel, 100% du sel et de la patate non, les chips les gars il y a du sucre qui pourrait imaginer dans un bol de chips un petit bol de chips les gars, un bol de chips il y a l'équivalent de 8 morceaux de sucre dans un bol de chips mais mais mais, mais dans un bol de chips, il y a 8 morceaux de sucre mais mais c'est on vit dans une saucisse! sacadale. dans la saucisse, il y a quoi? Il y a du sucre. Hein dans une part de pizza, une part de pizza, il y a cinq morceaux de sucre. Imagine! C'est incroyable. Cette utilisation massive de poudre blanche, euh, sucre, hein, euh, peut avoir des effets délétères sur notre santé. C'est pour ça qu'on en parle, surtout si on, a, si on en abuse. Euh, le sucre active la zone, en effet, de récompense du cerveau, décrit une spécialiste des risques nutritionnels. C'est comme c'est agréable, on a envie de recommencer. Hein? Un, peu, un peu comme une drogue, dit le Parisien. Ben, on n'en est pas loin, dit cette spécialiste de santé. Pour éviter l'overdose, les pouvoirs publics ont mis la pression sur les industriels. Bonne nouvelle. Hein? Il y a du sucre dans notre alimentation, mais il y en a moins qu'avant. Euh, et ce combat a fini par payer. Voilà. Et parfois, euh, dans l'activité dans du... Du normatif, du législateur, de, de l'État, pour contraindre, encadrer, accompagner un peu le marché, parfois il y a des bonnes choses. L'ANSES, par exemple, a observé une baisse de l'utilisation des ingrédients sucrants au cours des dix dernières années. Voilà Les plus fortes diminutions concernant les produits euh, salés, euh, justement. Si on n'a pas observé de baisse au niveau des biscuits, en revanche, les biscuits sont toujours aussi sucrés. Là, vos pims, là, dont vous parliez tout à l'heure, c'est suc, 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 suc. En revanche, il y a beaucoup moins de sucre dans les céréales du petit-déj. Les céréales du petit-déj sont moins sucrées qu'avant en France. Dans les thés glacés, moins de sucre. Dans les boissons aux fruits, moins de sucre. Dans les boissons énergisantes, moins de sucre. Voilà. Un accord collectif a été instauré entre les principaux industriels du secteur et les pouvoirs publics pour diminuer de 5% le taux moyen de sucre. Par ailleurs, depuis 2012, euh, les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants font l'objet d'une taxe qui est devenue proportionnelle à la teneur en sucre ajouté. Vous mettez du sucre dans vos trucs, eh bien vous allez être taxé. Plus vous allez mettre du sucre, plus vous allez être taxé. Il s'agit de, pro de protéger le consommateur. Voilà. Ça, c'est un, un langage que les parfois certaines, certaines entreprises, certains groupes qui ne pensent qu'à la thune peuvent comprendre. Alors attends, si j'enlève du sucre, si mets du sucre, je vais être taxé. On, va, on va me, alors je vais peut-être un petit peu enlever de sucre. Oh, Trouvez-moi une recette avec un peu moins de sucre. Ah oui, mais c'est plus facile, c'est meilleur. Euh... Oui, mais euh, la vente, c'est pas toi qui va la payer, chouchou. Voilà. Euh, la preuve, selon l'ANSES, qu'une politique publique incitative peut porter euh, ses fruits. Voilà, les fruits et du fructose. Euh, les géants de l'agroalimentaire l'ont bien compris. Euh, et, et ça surfe maintenant sur des produits moins glucosés, plus naturels. Mais l'ANSES ne crie pas victoire. Pour autant, car les étiquettes peuvent être trompeuses, si on observe sur certains produits, oui, une diminution du nombre de composants en donnant un goût sucré, les industriels ont pu compenser parfois en augmentant la quantité d'un autre ingrédient euh, sucrant. Égard aux faux amis, quand vous donnez du nectar de fruits ou un smoothie à un enfant, vous pouvez avoir l'impression de lui donner des vitamines, des bonnes choses pour lui, mais c'est beaucoup de sucre ajouté aussi. Est-ce qu'on peut envoyer un max de force Là, maintenant, tout de suite à élonge. Lowe et Langelo, qui nous regarde depuis l'hôpital et qui, dans son deuxième cycle de chimio, avec Elangelo, on, on t'envoie plein de force. Voilà, et ça va bien se passer. Force à toi. Merci beaucoup d'être avec nous. Ouais, je sais que le chat a envoyé plein de petits messages de soutien. Euh, Sean Shui, merci pour le prêt. Vous êtes cool. Vous êtes super cool. Bravo à vous. Donc attention au sucre ajouté, voilà, et où les enfants, plutôt que de leur filer euh, des jus d'orange, donnez-leur une orange, disent les nutritionnistes. Vous mettez les larmes maintenant, hein, vous êtes gentils, vous. Hein. Mais merci à vous. Euh, bon, les risques pour la santé du sucre, pour ceux qui ne sont pas euh, euh, concern... euh, convaincus, let's go. Euh, le sucre rend addict, rappelle d'emblée Philippe Frogel, qui est diabétologue et endocrinologue euh, au CHU de Lille. Mais surtout. En absorber trop au quotidien, pour ceux qui, comme moi d'ailleurs, mangent trop de sucre, n'est pas sans risque. De façon générale, consommer trop de sucre, c'est mauvais pour la santé, c'est un fait désormais bien documenté. Il y a deux chercheuses de l'INSERM qui ont bossé là-dessus. Les, les, bon, déjà la dentition, hein, les dents euh, abîmées, euh, la modification de la flore intestinale, des maladies graves plus fréquentes. Par exemple, les gens qui boivent des sodas ont un risque plus important de faire un diabète. Euh, cela vaut pour l'obésité, les maladies cardiovasculaires, voire pour certaines tumeurs, on n'est pas sûr, 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 mais euh, on pense que la consommation de boissons sucrées s'est est, révélée euh, être associée à un risque accru de cancer. Voilà. Tout dépend de la quantité ingurgitée, bien sûr. Hein. Euh, il faut arrêter de diaboliser le sucre en tant que tel, et du sucre naturel n'aura pas forcément le même impact qu'un glucose ajouté dans un produit salé ultra transformé. Ce qui est dramatique dans les produits tout préparés, c'est qu'ils comportent souvent la fois beaucoup de sel et beaucoup de sucre pour tu cal. Merci pour les cinq amendements offerts à la commune. Euh, ils sont donc doublement dou dangereux ces produits salés et sucrés, car avaler du sel augmente aussi le risque de maladies euh, pathologiques cardiaques, accidents vasculaires cérébraux. Voilà. Bon, finalement, ouais. donc attention, notamment. On sait, hein, c'est surtout les produits très transformés hein, qui sont vraiment pas super pour euh, la santé. Quoi. Voilà. Du coup, j'ai ouvert un paquet de gâteaux avec mon café, me dit Anatime qui a tout compris. Voilà, euh, ça y est, le concours de l'horoscope est parti dans le chat, euh, puisque vous avez vu la page de l'horoscope. De temps en temps, quand je suis de bonne humeur, on fait l'horoscope. Ça n'est pas très scientifique, l'horoscope, on est d'accord. Ça, ça je ne crois pas que ce soit vrai, je ne crois pas que ça marche. Mais, mais, euh, ça nous fait rire. Le jeu ici, c'est que le premier, la première qui me donne son signe astrologique dans le chat quand je lance le concours, je lui lis son signe. Évidemment, là, tout le monde est parti, donc ça ne marche pas. Euh, tout le monde a joué. Donc, je vais vous poser une question sur l'actualité et il me faut, dans votre réponse, votre signe astrologique et la bonne réponse sur l'actualité. OK C'est comme ça qu'on va jouer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Quelle question sur l'actualité Vous êtes prêts Qu'est-ce que je vais vous demander Un Truc sympa sur l'actu. Attendez, j'ai une idée. Alors il me faut euh, l'orthographe précise. Il hein, ne faut pas se tromper. Attention. Euh, donc le signe et la réponse. 1, 2, 3. C'est parti. À côté de quel célèbre footballeur s'affiche Amine dans son dernier clip euh, diffusé sur les réseaux sociaux pour annoncer le Kings World Cup C'est parti. Bon bah <laughs> c'était facile celle-là, mais bon. Oh là, vous êtes, êtes C'est oh, incroyable le, le chat. Alors, 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 avec les modos, on va regarder. Euh, Sarah euh, m'a mis quelqu'un, m'a épinglé Sagittaire Neymar. Je vérifie. Ah, j'ai un. Ouais, si, si t'as raison. Sarah, bravo, tu as l'œil. C'est Sparamoul. Joli pseudo qui est Sagittaire et qui m'a donné Neymar, voilà. Balance Neymar était pas loin, Sagittaire Neymar sur la troisième marche du podium, donc Sagittaire vraiment très réactif ce matin. Gémeaux Neymar, Poisson, Neymar, Gémeaux Neymar, les Gémeaux bravo. Balance baignée voilà, voilà. Bon c'est donc c'est Sagittaire. Bravo Sarah, tu as l'œil, tu as l'œil et le bon. Ok, let's go. Donc c'est Sagittaire ce matin. Sagittaire, est-ce que vous avez un, 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 un bon horoscope Cœur. Plus important. Vous évoluerez dans une ambiance harmonieuse. Cool. Sagittaire, cœur, ça va. Si vous être bons yeux, vous pouvez tous lire votre signe. Allez, je zoome un petit peu parce que je suis trop gentil. Réussite, des amis peuvent vous aider à obtenir quelques succès, mais les résultats concrets se font attendre. Traduisez, vos amis sont gentils. Vous avez des amis gentils. Ils ne sont pas super efficaces. Mais ils sont gentils. Euh, forme, bonne résistance. Ok, cool. Je vais lire mon signe. On n'est jamais aussi bien servi de par soi-même, taureau. Cœur, vous serez heureux en amour. Cool. Euh, réussite. Les démarches que vous entreprendrez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelques temps. Ok. Cool. Forme, sommeil perturbé. Ok, je dors trois heures par nuit, maximum. Je vous l'ai toujours dit, l'horoscope, c'est scientifique. L'horoscope, ça dit la vérité. La preuve. Allez. Démonstration, quoi. Taureau, sommeil perturbé. Voilà. Et je suis à l'eau sur le sommeil, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est scientifique. Voilà. Hein? Euh, quelle heure il est 11h12. C'est un mini-stream ce matin parce que j'ai plein de rendez-vous là ce matin. Euh, dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Euh, dans une demi-heure. J'ai le premier de quatre rendez-vous euh, de travail. Et une demi-heure, c'est quoi Une demi-heure, c'est quoi Une demi-heure, ce n'est pas la durée d'une renquête sur Valorant. Non. Ce n'est pas la durée. Euh, D'une unranked sur Valo. Mais ce peut être la durée d'un death match. Voilà. Hein? Voilà. D'un petit death match. Allez, on va finir par ça. Oh, je n'actualise je pas. Hein. On reste dans la revue de presse, on ne change, change pas la thématique. Euh, bougez pas. Sachant que ce soir, pas sûr de faire du valo. Peut-être que ce soir, on fera autre chose. Suspense intolérable. Ok. Donc, on se fait un mini deathmatch euh, avant mon prochain rendez-vous. Ok. Euh, ah oui, le mardi soir, je mange avec Hélène. Ah oui, oui, ah oui. En plus, on va lancer tard ce soir le gaming, euh, puisque euh, le mardi soir, je dîne avec mon amoureuse. Ah ouais, c'est vrai. Donc, on va, on va jouer tard ce soir. Ok, bon. Alors, on va jouer. Et si on faisait plutôt une vélocité Vélocité ou deathmatch Pour une demi-heure Les amis Qu'est-ce que vous choisissez euh Vélo Qu'est-ce qui est mieux Deathmatch oh, J'ai bien envie de faire une vélocité, moi. Ah, une petite vélocité. Même pendant, pendant l'entraînement, pendant... c'est pour le plaisir, c'est pour le plaisir. semaine, hein euh, j'ai dit à ma grand-mère que je regardais le stream, son premier pot a Parti été... <laughs> c'est c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. drôle. Et nous, ma casquette de gamer Bon, j'ai installé au hein, parce qu'on aime la piquer, j'en ai marre. Ouais, c'est bon quoi. Putain, je me suis fait... Hier j'ai joué à SOVA là, deux fois, parce que je me faisais sans arrêt piquer à Ça va, ça va, je suis en colère ce matin. Donc, un petit, une petite vélo. Et puis, euh, et puis après, comme ça, j'ai mes rendez-vous. Euh, 11h. Euh... Ouais, on a ah. juste le temps d'une vélocité. Juste le temps. Let's go. Et on finit là-dessus. On dirait Sly qui met sa casquette à l'envers dans ses bras de verdant. Over the top, maudit Oliger Les jeunes, vous n'avez pas la ref. Over the top avec Stallone. J'ai la ref. <laughs> Tout est dans le poignet. ma jolie, c'est nous là-bas. Go. N'y réfléchis pas. Go 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 Gadgeto, go go euh, Où est-ce qu'on peut aller Ok. Ok, il n'y a personne en A. Ouais, on, on sent que la vélocité c'est A quand même, non Non, personne non. Ah, ok, c'est full, c'est full, c'est B. Hein. Passer par le mid. Spikeater au B. Classique, hein. il y a du monde, ça fait le tour. Hein. Oh merde Ah merde, je pensais qu'ils avaient fait le travail euh, de l'autre côté, qu'ils avaient tué tout le monde. J'ai pas surveillé assez les kills. Ok, d'accord. Ok, ok. Je pensais, euh, je pensais être malin. Je pensais être malin. Et on a perdu un point. Ok, ok. C'est pas grave. agressif, ouais, c'est vrai. Un peu de mid, un peu de mid. Attends, j'ai eu... J'ai paniqué là. C'était en, en face là les mecs Ils ont quoi là en face Oh là la Oh putain ah ouais, mais ils sont super agressifs en face. Ça push, ça push. Dernier joueur en vie. Ouh, 5-1. Ouh là là, bah dis donc, heureusement que c'est que c'est pas une roquette. Hein. Donc le petit mur de glace là-haut, c'est la même chose que la première fois. Ok, ok. Désirer. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va faire On va aller calmer tout le monde, là. Okay, let's go. Pas de prisonniers. B. En B. Putain, ils sont encore en haut. Je me suis refait à quoi. <laughs> je vais chercher le mur. Ils sont encore sur le mur. Et je me refais tuer. Dans une oh, c'est drôle. C'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Bon, bah, on va pouvoir lancer plusieurs. C'est ça qui est cool. Non, on va pas changer le titre. Beaucoup de titres. C'est un mini. C'est un mini-valo. C'est un mini-valo. Attends, il est où le mur Il est où le mur Il le, le met où le mur Il est à droite là C'est ça T'en chauds hein Oh putain. Eh ben c'est chaud hein. Oh là là, c'est c'est voilà. Ça c'est une partie qu'on va enseigner dans les cours dans les écoles de Valorant pour dire tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Ça c'est beau ça. Spike Monstre liberté. Droite, tu l'as entendu. En fait ils ont, ils ont... Ils ont pas de casque les gars. Ouais. Ouais. Changement de côté, point gagnant. Ça va être chaud. Dès qu'on tue l'un d'eux, on Allez go. Oui je cache la map, ouais. Les habitués vont t'habituer pourquoi vont pour pour t'expliquer pourquoi. Merci Opto 2A. Et après on va faire un petit raid. Non, les boulets, on y va. Eh merde. Suivant. J'ai le spike. Eh merde. Victoire des défenseurs. Il fallait rotate. Ouais, ouais, il fallait rotate. Je sais pas, t'as as, as raison. En vrai. Bon, les amis, c'était juste pour vous faire rire. Voilà. je vais me préparer pour mon rendez-vous. Quatre rendez-vous. Quatre rendez-vous. Voilà. Heureusement que ça, que ça, que c'était pas une ranquette. Quatre rendez-vous là, euh, sympa, que pour euh, développer euh, des, des projets euh, des, sur, sur Twitch. Voilà. Hop. Euh, et on se retrouve ce soir pour du gaming. Alors assez tard encore parce que le mardi soir, c'est le, le dîner avec mon amoureuse. Voilà, je ne pense pas lancer avant 22h30 comme, euh, comme euh, hier soir. Quoi. Euh, les amis, on va faire euh, un raid maintenant. Voilà, on va aller voir s'il y a des amis qui sont en live. Voilà, je vous remercie encore pour ce matin. C'était cool de euh, parcourir l'actualité avec vous. Merci les êtes d'être gentils. Merci MMG. Euh, euh, <laughs> Il me fait rire la maquette fait des bêtises. Euh, <laughs> qui est en live Qui est en live Qui est en live mais qu'est-ce que... J'arrive à la fin. Mais t'inquiète, t'inquiète, il y a, y a le replay. Il y a le replay. Qui est en live Ouais, ouais. Ouais. Oh cool ça. Ouais, cool. Cool, cool. Ouais. J'ai déjà trouvé une petite destination qui me plaît bien. Merci Nicomas pour le soutien. Euh, Peut-être autre chose que du soir, on verra bien. C'est la surprise, c'est la surprise. Merci au torpedo. Ouais. Ouais, 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 attendez, hop, je regarde vos, dans vos propositions, ok, cool, ouais c'est pas, tu es amoureux mon Samu, je suis très amoureux de mon épouse, ouais. salut Marie Bouchy, merci pour le message à l'instant que je vois, tiens, y a, alors je vois des noms de chaînes que je ne connais pas et ça m'intéresse beaucoup parce que... On peut soutenir les amis, puis on peut aussi soutenir des créateurs de contenu qu'on ne connaît pas. Et notamment ceux qui n'ont pas encore de, de grosses communautés. C'est bien de les soutenir. Donc je vois plein de propositions sympas. Euh, le replay sur Twitch, le lieu alone, ouais, pour les abonnés. Et sur YouTube, euh, très vite aussi, si tu ne l'es pas. Ok bon écoutez je vais rester sur ma première idée euh... ouais c'est parti voilà ok on y va les amis euh... je vous emmène au Japon il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui est tenue par un français qui vit au Japon euh, qui fait beaucoup de stream IRL au Japon manifestement euh, c'est le soir, c'est la nuit au Japon. Il y a Citron Violet qui est en raid. Voilà, dernier jour à Hiroshima, jour 9. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vient souvent me voir, qui me fait souvent de très jolis raids d'ailleurs. Donc allons saluer l'ami Citron Violet, qui est donc un Français qui vit au Japon et qui est en plein stream IRL. Euh, une petite balade là. Euh, le raid, pardon, quelques secondes. Soyez heureux, passez une belle journée, prenez soin de vous. Pardon pour cette revue de presse assez rapide ce matin, puisque j'avais beaucoup de rendez-vous là et on se retrouve ce soir mais assez tard après euh, mon dîner avec Hélène le raid, pardon 5 secondes prenez soin de vous et à ce soir les amis merci pour ce matin ciao. ciao. mon fils a 12 jours sa première <laughs> c'est trop mignon merci let's go à ce soir les amis merci beaucoup pour ce matin bye je regarder je vais regarder juste je regarde l'original et, et le remake uh, Brotherwood. Merci ah, beaucoup Steph pour le pour le follow. Merci à Dieu. Oh, attends. Qu'est-ce qui vient de se passer Red. Quoi Samuel Etienne et Mais, Mais non, non Samuel Etienne et